Bonjour à tous. Je remercie d'abord l'IRMA pour l'invitation. Ça fait longtemps que je vous suis et je suis ravie de venir en région grenobloise. Donc, je suis Marie Choupenet, je travaille pour Cosène Aglo. Je viens de Normandie où nous réalisons des choses qui nous paraissent un peu normales mais qui a priori ne sont pas partout en France. Et je suis également animatrice d'une association d'industriels, ce qui me positionne de manière très particulière. Donc, j'interviens aujourd'hui avec les deux casquettes. Donc, Cosène Aglo, c'est une agglomération de 50 communes situées entre Rouen et Le Havre. On est un peu coincé entre les deux communautés urbaines. C'est une petite aglo de 78 000 habitants à tendance plutôt rurale. Mais nous avons 8 entreprises Seveso seuil haut et 4 entreprises Seveso seuil bas. C'est la zone industrielle de Port-Jérôme. La plateforme industrielle de Port-Jérôme proprement dite. Donc l'association d'industriels, elle existe depuis 1972. Et donc ça va faire bientôt 50 ans que les industriels discutent entre eux, mais aussi avec les collectivités, des problématiques de sécurité. Et le fait de discuter avec les collectivités est tout à fait intéressant, puisque déjà on apprend des pratiques industrielles en tant que collectivité. Et puis, inversement, on est en droit aussi de leur demander « mais c'est quoi cette torche ?» Et ils nous répondent en toute transparence, de manière directe. Parce que cette association, elle est animée par la collectivité. C'est là où on a vraiment un bénéfice tout à fait mutuel. Donc, l'association, elle est reconnue comme structure de gouvernance du PPRT de Port-Jérôme. Le PPRT, c'est le plan d'urbanisme qui définit les contraintes d'urbanisme autour des entreprises Seveso seuil haut. Il a été approuvé en août 2014 et dans le cadre de ce PPRT, il y a une obligation pour certaines entreprises de réaliser des plans de mise à l'abri, les PMAAE, plans de mise à l'abri des activités économiques. Et ça concerne toutes les entreprises situées en zone grisée, zone rouge foncé, rouge clair et bleu foncé. Sur Port-Jérôme, ça représente 44 sites et l'échéance était de 5 ans à l'approbation du PPRT, donc en août 2019, et aujourd'hui, on est à 57% de réalisation. C'est long, on avance à petits pas, mais petit à petit, voilà, on arrive à la réalisation de ces plans de mise à l'abri. Alors, ces plans de mise à l'abri s'intègrent dans un dispositif très global de différents plans quand un accident industriel majeur se produit. Le premier point, quand l'industriel Seveso a un accident majeur qui dépasse les limites de l'entreprise, le préfet prend la main sur les opérations de secours et il se réunit en COD, le Centre Opérationnel Départemental, pour piloter l'ensemble des opérations. Le pendant du COD, au plus proche du terrain, c'est le PCO. Alors, il y a plein d'acronymes en gestion de crise. Je vais essayer d'être assez claire. Le PCO, il est au plus près du terrain. C'est le poste de commandement opérationnel. Là, on va retrouver l'ensemble des intervenants, tous ceux qui interviennent pour faire les actions de terrain. L'exploitant, lui, je vais remonter de droite vers la gauche. L'exploitant, lui, il est chargé de gérer le sinistre. Il a son poste de commandement exploitant. Les maires mettent en place un poste de commandement communal pour mettre en œuvre les actions de sauvegarde sur la commune. Cosène Aglo, c'est le cas de notre donc intercommunalité. Nous avons un poste de commandement intercommunal puisque nous avons équipé l'agglomération d'un plan intercommunal de sauvegarde. Alors, on est dans la lignée des projets de loi Matras, mais voilà, sans être réellement dans les clous de la réglementation, toujours est-il qu'il y avait ce besoin de solidarité intercommunale et il fallait bien travailler sur ses compétences propres. Donc, quelque part, nous intervenons en marge de tous les dispositifs, tout en étant avec l'ensemble des intervenants. Et puis, il reste le dernier socle, qui est à gauche, les entreprises et les bâtiments publics. Pour elles, on met en place des plans mis à l'abri. C'est une obligation pour certaines entreprises dans le cadre du PPRT, mais c'est aussi sur volontariat pour toutes les autres. Alors, un plan de mise à l'abri, qu'est-ce que c'est? C'est l'objectif, donc, c'est en cas d'accident majeur, et quel qu'il soit. Moi, je vends les PMA, je les vends gratuitement.
Voilà, on en parle pour les risques technologiques, mais aussi pour les risques naturels. En Normandie, on n'a pas forcément les avalanches, mais voilà, je parle de tempêtes, je parle d'inondations, etc. Tout d'abord, il faut pouvoir être informé. C'est le nœud de la problématique, l'information des populations. Et dans le cadre de Port-Jérôme, nous avons mis en place un plan de communication d'urgence, c'est-à-dire que le Céveso alerte ses riverains. Pour ça, il faut avoir une liste des riverains avec les contacts d'urgence à tout moment de la journée. Reste à savoir comment le riverain reçoit, lui, l'alerte. Donc ça, c'est le premier travail que font les établissements. Comment est-ce qu'ils reçoivent l'alerte? Ensuite, une fois qu'ils ont reçu l'alerte, comment ils la diffusent en interne? Comment se passe l'alerte au sein de l'entreprise? Tous nos bâtiments publics sont équipés de sonorisation pour l'évacuation incendie. Ça, ce sont des choses obligatoires et déjà installées dans tous nos bâtiments. Mais on peut forcément ne pas s'appuyer sur ce dispositif-là. Il faut imaginer d'autres moyens pour diffuser l'alerte. Et ensuite, la mise à l'abri, la question de la mise à l'abri proprement dite, où est-ce qu'on se met? Il faut que ce soit un lieu adapté au type d'événement qui va arriver. Est-ce qu'il faut renforcer la structure? Est-ce qu'il faut s'équiper? Etc. Et l'ensemble de ces points est à traiter pour les différentes vies du site. À l'embauche, quand les équipes viennent se changer, on a notamment sur Port-Jérôme des bases-vie où le matin, il peut y avoir 200 bonhommes qui viennent pour se changer. Si un événement a lieu à ce moment-là, il faut pouvoir adapter le plan de mise à l'abri. Et le soir, quand l'équipement public est prêté à une association, comment est-ce que se passe le plan de mise à l'abri à ce moment-là? Ensuite, il est important aussi de tester le dispositif pour acculturer les usagers. Et tous les usagers, on voit bien que les associations, elles sont très très éloignées de ces questions de risque majeur. L'évacuation est bien rentrée dans nos habitudes, dans nos cultures, parce que nous faisons des exercices depuis très longtemps. Dans cette salle, si l'alarme incendie venait à retentir, nous saurions tous ce qu'il y a à faire. Reste à savoir si on connaîtra les lieux d'évacuation, par quel endroit est-ce qu'on évacue, mais voilà, on a ces réflexes. Et ces réflexes-là, il faut qu'on arrive à les avoir également pour la mise à l'abri, qui est là l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on ne va pas sortir du bâtiment, bien au contraire, on va se réunir dans une salle qui est adaptée. Alors du coup, je vais vous donner l'exemple du plan de mise à l'abri de la maison de l'intercommunalité à Lillebonne. C'est le service, elle réunit les services administratifs de Caux-Seine Agglo. On a à peu près 90 agents qui sont sur place et il peut y avoir jusqu'à 200 personnes sur site les jours de conseil communautaire. C'est un site qui est concerné par du risque industriel. La commune est justement soumise à ces risques-là du classique, hein, toxique, thermique, surpression. On retrouve aussi l'éboulement de falaises, mais c'est des petites falaises par chez nous. Du risque inondation, c'est le risque le plus... en tout cas, c'est l'accident majeur qu'il y a pu avoir sur la commune. On n'a pas eu d'accident majeur pour le reste, mais il y a eu des inondations. Le Pays de Caux est truffé de marnières. Donc là, il n'y en a pas sous le bâtiment en question, mais la commune en est vraiment truffée. C'est un vrai gruyère, le Pays de Caux. Et puis, le classique transport matière dangereuse. Donc, dans ce bâtiment, avec jusqu'à à peu près 300 personnes, nous avons défini trois zones de mise à l'abri. Je parle de mise à l'abri et non de confinement, puisqu'il n'y a pas eu de test de confinement de fait. Ça demande de la mise en place de matériel, etc. Mais à minima, comme dans les écoles, nous identifions des zones qui ne sont pas exposées au risque extérieur, avec le moins de vitres possible donnant sur l'extérieur, etc. L'alerte par l'industriel, elle est réalisée très simplement, puisque du fait de notre proximité vraiment historique, nous sommes intégrés au plan de communication d'urgence. C'est-à-dire que l'industriel Céveso, c'est encore arrivé la semaine dernière, donc c'est une raffinerie ExxonMobil qui nous a alertés pour nous dire qu'ils étaient en exercice POI. Quand ils ont eu un POI à 3h du matin en début septembre, nous avons aussi reçu l'information. Donc, on est réellement intégré au
au plan de communication d'urgence des industriels. Ensuite, l'alerte interne, nous la faisons très simplement par sifflet. Voilà, en plus, c'est très efficace en sifflet. On équipe plusieurs personnes et hop, quand les collègues entendent un coup de sifflet, ils savent ce qu'ils ont à faire. On peut aussi utiliser, comme c'est fait dans les écoles, des cornes de brume ou d'autres moyens de diffusion sonore, plutôt des petits matériels. Ensuite, on s'appuie sur les guides fil et serre-fil qui sont mis en place dans la sécurité incendie. Et en fait, ce sont ces guides fil qui emmènent les groupes jusqu'au lieu de mise à l'abri. L'alerte étant différente, la discrimination se fait très très bien entre évacuation et mise à l'abri dans le cas présent. Nous faisons des exercices réguliers. D'ailleurs, là, mes collègues m'ont dit « ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait ». Donc voilà, on va peut-être leur en préparer un prochainement. Mais les exercices, ils nous ont permis déjà de vérifier la faisabilité. Notre premier plan de mise à l'abri, on a emmené tout le monde au sous-sol, dans un endroit près des archives, sans lumière extérieure, sans équipement. Il était compliqué de s'installer, il n'y avait pas de chaise, etc. Et en fait, au bout de 15 minutes, on a levé l'exercice parce qu'on commençait à sentir les gens qui ne se sentaient pas très bien. C'était vraiment tellement anxiogène que par défaut, on a dit non, cette zone-là, nous n'allons pas l'utiliser. Mais du coup, nous avons développé 3 autres lieux de mise à l'abri dans le reste du bâtiment. Et puis, on a équipé chacune des zones de mise à l'abri d'équipements très simples, des radios qui ont du mal à passer, et ça, il faut continuer à faire les tests radio, des chiffons, un peu d'eau aussi, mais chacune de nos zones, il y a des zones de toilettes, donc ça simplifie aussi le matériel. Voilà. Du coup, c'est une démarche globale que nous mettons en place. Nous le déployons dans les ERP de l'agglomération. Alors, pour être tout à fait transparente, il y a des ERP où c'est très compliqué de faire des plans de mise à l'abri. Quand vous essayez de définir ces plans dans les piscines, qui sont par nature des lieux ouverts avec énormément de baies vitrées et des infiltrations très, très importantes de la part de l'extérieur, les piscines, aujourd'hui, c'est un vrai casse-tête. Mais nous avons d'autres sites où ça s'est fait beaucoup plus facilement, les médiathèques, la police municipale intercommunale, nos services techniques qui sont en plein dans la zone industrielle, les déchetteries, et là aussi, c'est aussi un défi dans les déchetteries, parce qu'il y a 2 agents qui sont sur place, et par contre, énormément de population qu'il faut là aussi acculturer. Les gens viennent là pour vider leur benne, leur remorque, et pas, ils veulent pas passer 20 minutes à la déchetterie. Hein. Il faut que ça aille vite, et du coup, les garder en exercice, c'est vraiment très, très complexe. Et du coup, pour savoir de quoi on parle et pour le développer ailleurs, ben on l'a appliqué dans nos ERP. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis capable d'aller voir les entreprises avec ma casquette associative pour le déployer dans les activités économiques. L'objectif de les déployer dans les ERP, c'est que globalement, ça participe à une acculturation des agents. Quand je leur parle de plan de mise à l'abri, ils savent derrière que ça peut être pour un risque technologique. Et du coup, ils sont vraiment très, très à l'écoute. Et ils participent très volontiers aux exercices de gestion de crise qui peuvent être organisés de manière plus globale. Donc, le déploiement dans les activités économiques, nous avons rédigé un guide à l'attention des activités économiques et c'est un guide commun à l'axe Seine. De Rouen à Port-Jérôme jusqu'au Havre, c'est un même guide. Il faut savoir qu'il y a des entreprises, notamment des entreprises sous-traitantes, qui sont sur les 3 plateformes. Et donc, ça leur permet d'élaborer le même type de plan pour chacun de leurs lieux sur l'axe Seine. Nous organisons également une réunion annuelle à l'échelle de la plateforme industrielle, parce que là, il y a 44 entreprises qui sont concernées par l'obligation, mais il y en a 90 sur le site. Et du coup, l'objectif, c'est d'avoir là aussi une acculturation la plus globale possible. Voilà. Lors de ces réunions annuelles, on fait de l'animation, du retour d'expérience, leur donner des idées. Ben, il y en a beaucoup qui nous disent « mais moi, j'ai un Algeco, comment je peux me mettre à l'abri dans un Algeco ?» Eh bien, il existe des entreprises qui proposent à la location ou à l'achat des containers qui sont adaptés.
Et tant qu'à faire, ces containers, donc, ils sont construits de telle sorte, déjà, ils se prennent des paquets de mer, donc pour l'effet de surpression, ça va très bien, ils vont résister. Et ensuite, ils sont juste améliorés à l'intérieur pour être cohérents avec un risque toxique. Donc, il y a des entreprises qui achètent un conteneur ou qui le louent pour, et tant qu'à faire, moi, je leur suggère d'améliorer leurs conditions de vie. Donc, elles l'utilisent comme salle de repos, comme vestiaire, etc. C'est vraiment un équipement qui intègre totalement le site. Ensuite, on leur fait faire aussi des rencontres sur site, des visites d'une entreprise Céveso. Ça, c'est important que l'entreprise riveraine, elle connaisse son riverain à risque parce que ils vont entendre des torches, ils vont les voir, ils vont les sentir, etc. Et du coup, là, ils vont un peu mieux comprendre comment est organisé le Céveso et pour qu'ensuite, derrière, eux, ils réagissent correctement quand il y a un événement dangereux. Et puis, nous faisons des exercices à minima du plan de communication d'urgence. Donc, début décembre, on a une semaine avec un jour un Céveso. Chaque Céveso va tester sa boucle d'appel. Déjà, ça permet de consolider la base de données qui peut changer énormément. Et aujourd'hui, nous proposons aussi aux entreprises de tester leur plan de mise à l'abri. C'est-à-dire qu'elles reçoivent... les exercices, c'est des fois pas compliqué à mettre en place. Un exercice, c'est « Ah, je reçois une alerte, et bien j'en fais quoi de cette alerte ?» Je peux très bien me dire « Ah non, j'ai du travail aujourd'hui, je ne vais pas m'en occuper. » Oui, mais on peut aussi se dire « Ah, mais j'étais occupée à faire quelque chose, mais comment je fais pour la transférer à mes collègues pour qu'eux ensuite prennent la suite de ce qu'il y aurait à faire ?» C'est un exercice, c'est aussi tout simple, aussi simple que ça. Il suffit de se projeter sur ce qu'il y aurait à faire. Et on se rend compte au bout d'un moment, ah, mais c'était pas pertinent que ce soit l'accueil qui reçoive l'alerte. Peut-être que c'est telle personne qui serait la plus à même de la recevoir. Et du coup, nous avons une démarche globale d'acculturation du territoire, des industriels, mais aussi des collectivités sur ces questions de mise à l'abri. Voilà. On va passer à la phase de questions. Merci pour votre intervention qui était très claire. Et je vois au passage qu'à l'heure de la proposition de loi 3162 qui légitimerait les intercommunalités à opérer en situation de crise, vous êtes déjà opérant. Je vais donner l'exemple, on sort d'un exercice PPI, un exercice donc de risque technologique qui a été fait le 1er juillet. Et c'est naturellement que le trinôme sous-préfète, représentant de la commune, présidente de l'agglomération s'est formé. Ma présidente connaît l'organisation, le PPI de manière générale, mais là en plus, le poste de commandement, il était dans nos murs. Et naturellement, elle est venue s'asseoir à côté de la sous-préfète et elles ont fait les actions qu'elles avaient à faire dans le cadre du PPI. Mais ça, quelque part, ça s'est fait, on va dire, en dehors des clous officiels. Et c'est une vraie question qu'en retour d'expérience que je pose à ma préfecture, c'est quelle est la place de l'agglomération dans la gestion de crise. L'idée n'était pas de se substituer aux communes parce que justement, cet exercice a démontré qu'il fallait qu'on renforce le lien avec la commune, donner de l'information à la commune, en recevoir, etc., pour démultiplier nos forces et être beaucoup plus efficaces. Merci. On va prendre quelques questions dans la salle. Présentez-vous. Merci. Présentez-vous bien. Bonjour. Bonjour. Pierre-Louis Serrero, Association Civipol, les associations d'habitants de Grenoble-Alpes Métropole. Moi, je viens de la Manche, donc ça ne m'étonne pas que dans la Seine, il se passe des choses. Ma question est simple, ça ne s'adresse pas à vous, mais aux acteurs du territoire. Est-ce qu'une démarche sur le modèle qui nous est présenté est en cours de réflexion, de discussion sur notre territoire ici agronome, le bassin de vie. Alors, une question qui s'adresse à la ville de Grenoble et à la métropole. On commence par la ville de Grenoble, qui veut bien répondre. Les services sont également présents. Si vous souhaitez prendre la parole.
Alors, Cyril Jacob, qui est en appui technique, va répondre. Merci à lui. Présentez-vous. Alors, bonjour, Cyril Jacob, directeur prévention et gestion des risques à la ville de Grenoble. Alors, à proprement parler, la démarche qui est celle qui nous a été présentée n'est pas dupliquée au jour d'aujourd'hui sur le territoire de la métropole. Ça a été évoqué, il y a la proposition de loi qui est en discussion au Parlement actuellement. Pour autant, même si on n'a pas anticipé le futur cadre juridique qui va sans doute être développé dans les années à venir, il y a un travail très étroit qui est fait entre la ville et les services de la métropole sur ces questions. On a fait un exercice d'ailleurs avec les services de l'État sur le risque inondation juste avant le Covid, qui a justement donné une place aux collectivités, mais aussi à l'intercommunalité, puisque en fait chacun a son rôle à jouer dans cette chaîne de gestion de crise, et les questions d'entraînement sont absolument essentielles. Et en fait, on a développé aujourd'hui un certain nombre de coopérations qui sont pas formalisées, mais qui du coup assez facilement pourront l'être une fois la proposition de loi adoptée. Et puis j'ajoute qu'on a un travail encore plus fin et plus opérationnel, puisque la ville de Grenoble et la métropole sont en train de développer une plateforme de gestion de crise, en partant de l'incident habituel dans le cadre des astreintes jusqu'à un événement qui serait un événement majeur pour le territoire. Et donc, on est en train de mutualiser justement tous nos outils. Et donc, ça sera assez facile, de mon point de vue, quand on aura cette nouvelle réglementation, de pouvoir nous y adapter, puisque au quotidien, on a décidé de travailler ensemble. Merci pour la réponse de la ville de Grenoble. J'entends solidarité intercommunale. Bertrand Marion, qui représente la métropole de Grenoble. Je ne sais pas si Jean-Yves Porta est toujours avec nous. En tout cas, ses services sont présents. Réponse à cette question pour la métropole de Grenoble. Merci. Oui, merci. Réponse à cette question. Donc Bertrand Marion, mission risque de la métropole. Donc, pour compléter ce que vient de dire Cyril Jacob de la ville de Grenoble, il y a une montée en compétences collectives des communes, du territoire et de la métropole sur ces questions-là. C'est le sens de l'histoire. La métropole a récupéré un certain nombre de compétences, que ce soit des communes, du département, et donc des compétences en tout cas qui sont utiles et nécessaires en gestion de crise. Donc la métropole travaille en interne sur renforcer notre plan d'intervention par rapport à un risque de tous ces types d'événements sur nos compétences, notamment en appui des communes. La loi Matras, qui a déjà été citée plusieurs fois ce matin, va venir cadrer et border tout cela, chose qui est déjà faite, et va venir renforcer le rôle des intercommunalités. Donc c'est une réelle actualité que nous avons, et on a, alors, avec d'autres communes, notamment celle de Grenoble, aussi des projets plus spécifiques, par exemple sur des questions de gestion de crise vis-à-vis des ruptures de digues, avec des études sur l'anticipation. Pour citer ce projet, j'en citerai un autre qui est vraiment dans l'actualité de ce matin. Jean-Yves Porta, conseiller délégué au risque naturel et technologique, l'a déjà abordé. On a fait le choix d'avoir un accompagnement volontariste de la collectivité auprès des entreprises pour réduire leur vulnérabilité, au même titre qu'on le fait pour les logements et les habitants. Mais dans ce cadre-là, c'est réglementaire. Et donc, ça se fait soit de manière structurelle, avec des pièces de confinement, simplement qui sont mises en place, soit de manière plus organisationnelle. Et donc là, c'est plutôt des plans de mise à l'abri qui sont développés. Et on peut se féliciter, parce que tout simplement, donc on a lancé ça en début d'année et on a déjà dépassé ce qu'on imaginait en termes d'entreprises intéressées et qui ont accepté d'être accompagnées. Voilà. Merci de votre réponse. On va aller du côté des participants en visioconférence et on a peut-être des questions. Je donne la parole à mon collègue Mathias Lavollée qui va reformuler la question. Si on peut présenter la personne qui pose la question dans ses fonctions. Et à toi la parole, Mathias. Merci. Allez, donc première question de Monsieur Branche. Le risque attentat est-il intégré dans le plan de mise à l'abri? Donc, première question. Et deuxième question qui est plus annexe, c'est quelles sont les modalités d'accès de votre guide? Est-ce qu'il est accessible sur le web ou est-ce qu'il est accessible aux collectivités sur demande, pour commencer? Alors,
question sur le guide mutualisé auquel vous avez fait allusion, Marixou. Le guide, je peux très bien le transmettre à l'IRMA si c'est votre point d'entrée, sinon il suffit de nous le demander. On le diffuse très largement. Après, au tout départ, nous, on n'avait pas ce guide et on a utilisé le guide des PPMS des écoles pour faire sur le même principe que dans les écoles. Ça a été vraiment la base de notre réflexion. Le risque attentat, il est pris en compte petit à petit et ça va dépendre des entreprises en fait. Il y a des entreprises qui se sentent vraiment concernées et qui vont y glisser quelque chose. Après, c'est une acculturation générale de l'entreprise. Donc oui, ça rentre petit à petit dans ses habitudes. Alors, on va poursuivre sur la question de la menace terroriste. On est à la marge, mais pour autant, on est bien sur des dispositions organisationnelles et fonctionnelles pour mettre à l'abri face à une agression humaine. On a la chance d'avoir Robert D'Amato. Je t'ai appelé ce matin, je te tutoie, on se tutoie. Il a travaillé en tant que responsable de la sécurité au musée pendant plusieurs années. C'était opérationnel, le micro arrive. Et je rappelle que sur l'aboutissement des travaux de mise en place du POMS, plan d'organisation et de mise en sûreté de l'établissement, on est parti sur un exercice attentat. Robert, bonsoir et bonjour. Oui, bonjour. C'est déjà la fin de la journée. Bonsoir, bonjour. Merci d'être présent en tout cas. Voilà. Oui, effectivement, on a travaillé sur deux plans. En plus, l'actualité du moment était aussi, je ne sais pas si vous vous rappelez à l'époque, des risques d'attentats en France, et il y en a eu. Donc, on a travaillé sur un plan effectivement, de confinement, et le deuxième plan, un plan de mise à l'abri. Parce qu'on s'est aperçu que les musées, comme tout équipement recevant du public, on n'était pas à l'abri de ce type de risque. Donc, il a fallu, à travers l'aide de l'IRMA et la réflexion menée avec l'ensemble des équipes, notamment le personnel, mais surtout et l'équipe de sécurité, une entreprise qui est extérieure, donc il faut les associer nécessairement et même obligatoirement parce qu'ils sont les premiers intervenants. On a travaillé sur ce plan de repli dans la mesure où on a regardé les accès possibles d'un terroriste et en fonction de ce type d'intervention avec nos caméras et la situation de notre PC, on avait des messages codés qui étaient donnés par micro à l'ensemble du personnel pour éventuellement prendre une zone de repli et s'éloigner le plus possible du risque d'attentat. Et on est allé même plus loin, on a tenu compte, puisqu'on reçoit des personnes des personnes qui ont d'handicaps divers, et notamment pour les sourds et malentendants, dans la mesure où il y a un message verbal, il n'est pas entendu. On a installé des fiches dans tous les petits locaux techniques connus par les professionnels. On a fait un tour dans l'ensemble du musée pour montrer un peu tous ces locaux. Et ces fiches, en fonction de ça, on peut indiquer aux personnes qui n'entendent pas, pour ne pas les affoler, parce qu'il faut aussi gérer ce problème-là, ne pas les affoler. Et cette zone de repli, avant d'évacuer dans des zones particulières, avant de sortir à l'extérieur, on est en relation directe avec le poste de commandement et les services de police qui interviennent à l'extérieur pour ne pas perturber les interventions de police ou envoyer les enfants ou les personnes dans le parc en plein hiver. Voilà ce que je peux dire en deux mots. Merci. Et on a suivi les travaux. Mes collègues étaient en poste pour la mise en place du plan. Et je crois que ce qui est remarquable dans ces travaux, c'est que la finalité du plan, elle n'était pas documentaire, là. C'était vraiment managérial. Et la direction vous a laissé l'attitude d'impliquer l'ensemble des collaborateurs, mais également en interservice, parce qu'il y avait des sociétés privées. Là, je reviens sur le dispositif organisationnel de plan de mise à abri, POMS. Dites-nous un mot, la difficulté que vous avez rencontrée au niveau managérial. Au tout départ, il y avait à la fois un élan spontané de l'affaire des personnes et aussi une forme d'inquiétude. On est plus habitué à un plan d'évacuation risque d'incendie. Et là, ces deux plans qu'on demandait, c'était quelque chose qui bouleversait un peu les habitudes des professionnels.
Donc, il a fallu les accompagner dans ce sens-là et leur dire tout ce que cela pouvait apporter en termes d'intervention côté spontané, ne pas paniquer, parce qu'il y a toujours un effet de panique, hein, c'est même avec un plan bien orchestré, quand on apprend qu'il y a un terrorisme ou autre, bon, il y a toujours un effet de panique. Mais le fait d'avoir déjà planté les jalons et d'avoir formalisé à l'ensemble à travers des exercices, ça a permis de libérer un peu ses craintes. Après, effectivement, moi je parle à l'époque, c'était au niveau du musée, mais l'autre plan, c'est qu'il fallait être accompagné. On n'est pas seul, donc il faut être accompagné avec les services extérieurs, sécurité civile, nos élus, la mairie, préfecture. Et là, il y a une approche globale qu'il faut encore, je dirais, travailler. Et on a fait des exercices aussi avec la police, et on s'est aperçu que ces exercices nous ont fait lever des points faibles au sein qu'on avait au musée, donc on a pu les rectifier. Ce que je peux dire en deux mots, pour terminer, vous nous avez donné une belle boîte à outils, vous nous avez laissé les clés, mais il ne faut pas oublier de l'ouvrir souvent, cette boîte à outils, pour premièrement sortir les outils tels que les personnes qui partent à la retraite ou des mutations, parce que je ne suis plus dans le circuit, et remettre des outils pour les nouveaux arrivants, parce qu'il faut faire vivre un peu ces dossiers. Et voilà ce que je peux dire en deux mots. Merci. On boira un café tout à l'heure ensemble. Je reviens sur Marissou. On parlait de boîte à outils. Vous avez parlé de plan de communication de crise. La moulinette, pour optimiser l'efficacité de l'information et de l'alerte, qu'est-ce que vous avez mis en place à l'heure où ces technologies permettent d'optimiser l'efficacité de l'alerte? Il y a une directive européenne qui est passée qui, au 1er janvier 2022, sauf erreur, doit rendre dans chaque État obligatoire la diffusion cellulaire. Parenthèse fermée, Marissou, merci. Alors, on a une grande attente de ces éléments-là. Nous avons un réseau de sirènes d'alerte qui, à mon sens, doit perdurer parce que tout le monde n'a pas encore de smartphone pour pouvoir recevoir un SMS ou une information en push. Par contre, les nouveautés que nous avons là testées, c'est la communication aux agents de l'agglomération. Nous sommes équipés depuis quelques mois d'un outil, ça ne passe pas par Zoom, mais par Teams et toute la clique qui va avec Teams. Et donc, pendant l'exercice, nous avons communiqué par ce biais-là, vers les agents. Alors ça, c'est de l'information au fil de l'événement, mais en tout cas, c'est un point que les agents qui étaient en télétravail ont beaucoup apprécié. Ils suivaient ce qui se passait, ils avaient de l'info sans être sur place. Et du coup, voilà, c'est de la multi. Il faut différents supports. Il ne faut pas un seul et unique canal pour passer l'alerte ou la communication. Il faut vraiment faire du multicanal et c'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui. On est aussi beaucoup sur les réseaux sociaux. Parce que c'est là aussi, la population va aller très très vite pour passer l'info, qu'il se passe quelque chose, et il faut très vite investir cette place, sinon les réseaux sociaux n'aiment pas le vide, et quelqu'un la prendra, et pas de la manière dont on souhaiterait. Donc j'imagine que pour les établissements recevant du public, pour les activités économiques, les numéros de téléphone d'astreinte peut-être sont répertoriés de l'établissement, de manière à rendre efficace cette information descendante, mais elle relève de quel acteur? Parce que on a vu que dans votre réponse, il y avait l'intercommunalité, et je sais qu'il y a une subtilité derrière, donc ma question n'est pas innocente, sachant que c'est bien l'industriel Céveso, pour le compte de l'autorité de police préfectorale, puisqu'on est en configuration PPI, qui donne l'alerte. C'est quoi cette subtilité? Précisez. Alors en fait, c'est l'association des entreprises qui glane l'ensemble des numéros d'alerte, des numéros d'urgence dans les entreprises. C'est un fichier qui est bordé, déclaration CNIL, etc. Je récupère les numéros, je les mets dans un même fichier, je les transmets aux entreprises Céveso, il n'y a que elles qui ont accès à ces numéros-là. Et ensuite, c'est elles qui définissent qui est leur entreprise riveraine. Là aussi, c'est pas à moi de dire, mais telle entreprise, elle est dans votre périmètre de danger. Non, c'est à elles de s'organiser. Il y en a qui ont plusieurs boucles d'appels parce que très, très étendues. Donc, en fonction de leur boucle,
elles définissent quelle entreprise ils sont, mais cette collecte, elle est faite par l'association d'industriels. Et ça, dans des délais en mode réflexe rapide, j'imagine. Alors, ils sont ensuite équipés, les Céveso, d'automates d'appel qui envoient de l'information soit en SMS, par mail, par du vocal aussi. Et du coup, ça fait partie de leur démarche quand ils déclenchent leur plan interne, le POI. S'ils savent qu'il faut prévenir les riverains, ils déclenchent aussi en même temps et ça va très, très vite, oui. Alors là, je vois une bonne pratique parce que quand on interpelle à l'occasion des industriels, on nous dit on va pas payer le système d'appel en masse qui, par ailleurs, peut être utilisé sur la thématique risque naturel. Donc, on voit bien là encore que des questions de mutualisation se posent. Question côté participant en visioconférence, merci. Alors, question de Madame Chollet. Pour quelle raison avoir créé une association pour mettre en place la démarche ? Est-ce que l'éventualité d'avoir recours à des collèges ou à des comités qui auraient été portés par l'AGLO aurait pu fonctionner ? L'ASSO, elle existe depuis 1972. Donc, à l'époque, il n'y avait pas ni du S3PI, ni de commission de suivi de site, les CSS, il n'y avait rien de tout ça. Et pourtant, les industriels avaient envie de travailler ensemble sur des questions d'environnement. Donc, c'était qualité de l'air au tout début, gestion des déchets dangereux. Et au fur et à mesure, la thématique sécurité est rentrée dans complètement. C'est un point systématique qu'on fait quand on se réunit. La sécurité et de plus en plus mutualisation. Donc aujourd'hui, elle dévie un peu de sécurité. On parle de réseaux de chaleur fatale, de traitement du CO2, etc. Mais avec ces idées quand même de mutualisation, de services de sécurité, d'intervention dans l'entreprise riveraine pour la défense incendie. Enfin voilà, c'est une vraie évolution de l'association. Moi, je complète la question puisque l'IRMA est une association et il est certain que quand on a des instances de concertation, de gouvernance comme les SPI, comme les commissions locales d'information autour des sites nucléaires, quelquefois des associations supports sont créées. L'intérêt comptable, économique, c'est que par l'appui de l'association, vous pouvez faire de l'ingénierie économique et aller chercher les partenaires financiers pour boucler une opération et aller sur les questions de fond qui sont portées à l'échelle supra par l'instance de gouvernance ou la commission locale, les CSS. Il y a des bonnes pratiques comme ça, beaucoup autour du nucléaire. C'est des aspects à garder à l'esprit quand on va sur une gestion de projet territorial. Et pour le coup, dans le même sens, quand on a un projet qui nécessite financement, on monte des conventions ad hoc. C'est un projet vraiment individuel qui trouve son autofinancement à l'heure actuelle. Ce n'est pas dans les finances de l'association qu'on porte des projets. Là, le plan de communication d'urgence, quelque part, il coûte du temps homme, l'envoi de quelques mails pour mettre à jour les fiches contact, et c'est tout. C'est pas non plus quelque chose qui coûte très cher. Il y a certes derrière l'installation de l'industriel, l'automate d'appel de l'industriel, mais quelque part, ils ont ces obligations aussi d'alerter, de passer ces messages d'alerte. Alors, pour le gestionnaire de projet que vous êtes, ça prend combien de temps d'accompagner ces entreprises, ces ERP publics, puisque c'était parmi vos priorités? Vous arrivez à quantifier ça pour un agent? Il y en a beaucoup qui nous écoutent ce matin. Alors là où c'est difficile, c'est que j'apprends beaucoup aussi de leurs pratiques. Donc, c'est un vrai bénéfice mutuel. Quand j'interviens pour les industriels, j'apprends de la manière dont ils sont organisés et j'applique le même type de choses de notre côté. Donc, je dirais que c'est un mi-temps global, sachant que nous sommes deux. Nous avons un service risque majeur avec deux personnes. Donc, oui, on peut dire qu'il y a un mi-temps sur ces relations industrielles qui sont totalement, tous les jours, on est en relation avec eux, on a visité leur site, c'est pour ça que c'est des choses très simples. Il n'y a pas un club, parce que là, il y a à mutualiser avec ceux qui nous écoutent ce matin, non ? AxoSen, oui, on est en train de le monter avec des équivalents sur Le Havre, une association d'industriels qui vient de se monter à Rouen aussi. Donc, on sent bien qu'il y a ces besoins aussi côté industriel de discuter entre eux de problématiques parce que, quelque part, cette asso, elle est aussi force de proposition auprès des structures de l'État. Ensemble, ils peuvent aller voir l'ADREAL et leur dire, mais oui, mais les plans de mise à l'abri, c'est une alternative intéressante. Ce n'est pas tout dans le PPRT, mais c'est une alternative.
Alors, je salue la présence ce matin de représentants de l'association Amaris, hein, qui opère au plus haut niveau pour porter la parole des communes exposées au risque technologique. Daniel Sèche-Gadou, est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? Pas de main levée. Est-ce que, côté participants en visio, eh bien, on va vous remercier. Merci à vous. Pour la clarté de vos propos, et on va demander à notre prochain intervenant, Jacques-Olivier Panier. Il a sa petite manette pour faire avancer ses slides, d'intervenir. Je le remercie parce que vous allez le voir que sa bonne pratique a été distinguée, hein, au niveau national par des opérations sous l'égide du ministère en charge de l'environnement. Et c'est bien pour ça qu'on est allé le chercher. Ça fait un moment qu'on travaille ensemble. Je rappelle à ceux qui sont en visioconférence, mais également aux participants, que l'enjeu de ce genre de matinale, c'est également de pouvoir évaluer de l'intérêt du contenu. Donc, quand vous quittez votre poste informatique, votre écran, vous allez avoir un sondage. Également, dans le dossier du participant dans la salle, il y a un sondage. Nous comptons sur vous pour nous faire vos suggestions et apprécier le contenu de la matinale. Merci. Jacques-Olivier, à vous la parole. Merci. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Donc, Jacques-Olivier Panier, je suis chef du service gestion des risques à la ville de Saint-Fons. Donc, c'est une commune au cœur de la vallée de la Chimie, vers Lyon. Ingénieur territorial et j'ai commencé ma carrière dans cette collectivité. J'ai fait une pause et je suis revenu pour retrouver, remettre une dynamique risque majeur sur un territoire qui est assez petit finalement. C'est 600 hectares, 300 hectares de zones industrielles sur la partie ouest. Et puis du bâti, du logement social, du tertiaire, des résidences sur la partie est. Donc du coup, c'est un territoire qui, quelque part, facilite les choses parce qu'on n'a pas le temps de dimensionner et de retravailler des stratégies en fonction des quartiers, etc. Donc en action réflexe, quelque part, on va réagir sur la totalité de notre patrimoine pour mettre en sécurité la population et le personnel. C'est aussi, Saint-Fons, un volet industriel important. Il y a une tradition depuis le 19e, avec un grand pôle de compétitivité Accelera, et puis trois groupes chimiques mondiaux présents sur le site. C'est quand on aborde la gestion des risques à Saint-Fonds, on ne va pas parler des 18 500 habitants, mais on va bien intégrer les personnes qui travaillent dans ce bassin de vie. Et donc là, avec l'autoroute, le périphérique lyonnais, avec les éventuels touristes, parce qu'il y en a des fois qui viennent justement visiter les sites industriels, on va plutôt aborder la protection des populations à hauteur de 28 500 personnes, riverains. Donc ça, dans notre démarche de plan communal de sauvegarde, c'est une donnée qu'on intègre. On ne se contente pas de travailler sur les habitants. En face de ce territoire-là, on a une dizaine de risques majeurs. Alors, on pense tous en priorité le risque industriel, mais finalement, avec les sites Céveso qui ont une bonne culture de la sécurité, à titre personnel, mon inquiétude ne vient pas forcément des plus grosses entreprises chimiques. On a des sites, des installations classées soumises à déclaration ou enregistrement, où là, on a des dispositifs de sécurité un petit peu de moins bon niveau. Et quand vous avez un événement particulier sur ces entreprises-là, ben on voit que c'est un peu plus difficile, on a moins de réflexes, on a moins l'habitude de travailler qu'avec un PC exploitant, dimensionné, activable immédiatement, avec des sapeurs-pompiers privés qui parlent le même langage que les pompiers du SDMIS. Voilà. On sent qu'il y a une latence dans les petits événements. Alors, petits événements, j'entends par là, typiquement, on a eu en 2019 deux incendies à quelques mois de différence sur deux centres de valorisation et de traitement des déchets recyclables. C'est des gros panaches de fumée avec de la suie bien noire. Ça traverse le ciel lyonnais. Et là, vous avez beaucoup de conséquences, beaucoup d'attentes des riverains. Et assez peu de réponses de l'industriel qui, lui, n'est pas permanent sur site. Et donc, le temps d'aller trouver les bonnes informations, de pouvoir définir des premiers messages, on voit que c'est compliqué et on a beau avoir des automatismes, le plan communal ne suffit pas.
Du coup, sur les risques majeurs, effectivement, on a du risque industriel avec panache de fumée, de nuages toxiques, sur certains secteurs du thermique et puis aussi des effets de surpression. On a aussi des matières dangereuses, on a la totale, souffle maritime. On n'a pas le volcan et on n'a pas les avalanches. Mais voilà, le reste, en termes de naturel, on a des remontées de nappes phréatiques, on a du ruissellement urbain, on a des chutes de blocs, des coulées de boue. Voilà, on n'a pas que le risque industriel dans la vallée à Chimie. Et puis effectivement, comme disait François, la démarche qu'on vous propose ce matin a reçu non seulement la labellisation « Les bons réflexes », mais aussi un prix, on est lauréat d'un prix en 2020 avec le Forum des Irisés. Donc ça montre aussi le travail, la dynamique de fond. Ce n'est pas une action coup de poing, mais bien l'enjeu de cette action-là, de ces POMS, c'est bien de les faire durer dans le temps. L'une des demandes aujourd'hui, ce n'est pas tant de vous présenter les outils de la malle du POMS, mais c'est bien de vous expliquer comment s'est montée cette démarche et quelles sont les difficultés, parce que les difficultés elles sont pérennes. Une fois que vous commencez le projet, vous n'avez pas les réponses à tout, et donc c'est une amélioration continue. L'approche de Saint-Fond, ça a été à la base de se dire, très bien, on déclenche le plan communal de sauvegarde parce que le préfet a déclenché le plan sec ou parce que le maire a un événement inhabituel. Donc, le préfet n'est pas obligé de déclencher de plan sec, mais le maire déclenche son plan communal de sauvegarde. D'initiative ou par ordre, les bâtiments municipaux, en priorité, vont recevoir l'ordre ou vont, d'initiative, se mettre à l'abri. Ça, c'est sur le papier. Dans les faits, en 2008, quand... petite anecdote, on a regardé un film « C'est pas sorcier », c'était un documentaire très connu, et on avait la ville de Saint-Fond qui était prise, pour exemple, pour le confinement et la mise à l'abri d'une ancienne école à proximité. J'arrive sur le poste à Saint-Fond, je me dis, ouais, c'est génial, il y a une vraie culture, on va pouvoir faire des choses, on voit que dans cette école, ils savent faire, ils vont pouvoir nous expliquer leur expérience, etc. Et en fait, en interrogeant l'institutrice, ouais, elle nous a dit, moi j'ai appris par ce documentaire comment faire. Donc, zut, on n'est pas bon. Donc, la première démarche d'un POMS, c'est une déclinaison de quelque chose. L'approche de Saint-Fond, c'est de dire on est bon, on n'est pas trop mauvais sur le plan communal de sauvegarde. Maintenant, il faut qu'on décline jusqu'au territoire la prise en compte des consignes de sécurité. Et ça fait des années à Saint-Fond qu'on bénéficie de la campagne des bons réflexes, la campagne industrielle tous les 5 ans. Donc, les habitants, les salariés étaient quand même sensibilisés aux risques. Ils savaient qu'en cas de nuage toxique, il y avait des choses à faire. Déjà, ça, c'est une base. Après, le comment faire, il y avait une grosse marge de progression. Le sens de la démarche aussi pour Saint-Fond, ça n'a pas été de se dire « je vais me cantonner uniquement au personnel du bâtiment ». Mais ça a été déjà... dès la base, de se dire on va mettre en sécurité à la fois le personnel, le public présent dans le bâtiment, et on va aussi intégrer la sécurité des passants qui, entendant la sirène d'alerte, vont appliquer les consignes nationales de se mettre à l'abri dans le bâtiment le plus proche. Et là, la question, c'est comment je dimensionne mes locaux pour accueillir un jour de marché, les forains et puis ceux qui viennent faire leur commerce, leurs achats sur le marché forain en plein cœur de ville. Est-ce qu'ils vont tous aller à l'école? Est-ce qu'ils vont aller sur le bâtiment, la salle spot qui est à côté? Comment ça va se répartir cette foule? Évidemment, il n'y a aucune modélisation, aucune appli qui peuvent vous guider là-dessus. Donc, à un moment donné, on a fait des choix arbitraires. Et puis, au fur et à mesure des exercices, on prend du recul, on redimensionne les procédures. La question aussi, c'était de se dire, est-ce qu'on prend en compte tout le patrimoine de la ville ou est-ce qu'on travaille par les bâtiments les plus exposés, les plus proches, et puis au fur et à mesure des années, on va traiter, créer les POMS dans les bâtiments les plus éloignés. Et très très vite, on s'est rendu compte qu'un agent d'entretien qui fait le matin un gymnase très proche de la zone industrielle va également l'après-midi aller sur un bâtiment plus éloigné, donc ça pose pas de problème. Mais quand c'est l'inverse, cet agent-là, ou même un chef de service, un directeur qui a plusieurs crèches
à gérer. On va pas pouvoir créer des consignes de sécurité différentes d'un site à un autre. Donc, du coup, conclusion, on a dit, on prend la totalité des bâtiments de la ville, ERP et établissement recensant des travailleurs. On en a deux sur la ville, c'est le centre technique municipal et un local de stockage. Et donc, finalement, on a décidé d'appliquer les mêmes consignes, le même protocole sur nos bâtiments. On a 53 bâtiments. Après, on a fait le tri, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu très vite que le local de stockage où il n'y a personne qui a une vraie passoire thermique, il n'y a aucune pertinence à l'équiper d'un POMS. Donc, ça veut dire que cette personne-là, l'agent qui fait des va-et-vient, des livraisons, va devoir se mettre à l'abri dans un autre bâtiment où là, on aura des procédures équipées, etc. On n'a pas encore résolu tous les problèmes de clés d'accès. Autre critère, ça a été de se dire... quel est l'objectif final? Jusqu'où on va? Est-ce qu'on veut un beau document, papier glacé, couleur, avec de la cartographie, des images, avec de l'information préventive? Ou est-ce qu'on veut des fiches réflexes propres à chaque bâtiment, affichées en permanence? Enfin, voilà, on s'est posé tout un tas de questions basiques. Et l'objectif, finalement, on s'est dit, ce qu'on veut, c'est un... que les personnes comprennent qu'il y a un problème, apprennent à reconnaître que c'est un attentat, c'est un problème lié peut-être à un risque industriel, que c'est un incendie. Donc, déjà, hein, que la personne qui est derrière son clavier, qui fait son mail ou son rapport budgétaire, arrête de travailler et se dise « il se passe quelque chose d'anormal ». Deuxième chose, ça a été de dire « il faut que l'agent » que les responsables, une fois qu'ils ont percuté le type de danger, qu'ils adoptent l'un des quatre comportements adaptés, voire cinq. Et là, il y a un problème de vocabulaire, enfin un problème. Il y a quelque chose à retravailler à l'avenir, je pense, sur le concept de mise à l'abri, mise en sûreté, confinement. Nous, à Saint-Fons, on a fait la distinction. On parle d'évacuation uniquement pour la sécurité incendie. Parce que vous avez une réglementation très, très détaillée sur ce concept. Donc, on ne va pas parler d'évacuation pour les risques majeurs. On va parler de mise à l'abri, et ça, c'est un petit peu une nouveauté. Vous verrez dans la démarche, jusqu'à présent, on abordait le confinement, 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 confinement. Et avec le plan de prévention des risques technologiques, confinement a une vraie connotation zone étanche, sécurisée. Ce que n'est pas la mise à l'abri. La mise à l'abri pour nous, c'est je rentre dans un bâtiment en dur qui n'est pas parfaitement étanche. Quatrième notion, c'est la fuite. On passe ici sur la consigne Vigipirate, post-2015. On s'échappe, on fuit. Et on me parle parfois, ben non, en Vigipirate, on doit se confiner aussi. Alors, attendez, là, il y a un vrai enjeu pour le coup. Notamment dans les écoles où, par facilité, et je le comprends, on fait des exercices attentats avec un scénario de confinement. Mais en fait, le confinement, il faut bien comprendre que dans la doctrine nationale, c'est le plan B, voire le pire des scénarios. Hein, gardons en tête le Bataclan. Le Bataclan, on ne se confine pas, on se cache à défaut de pouvoir fuir. Donc là, il y a un vrai travail pédagogique. Je pense dans les normes au niveau national, faut travailler ça. Mais à Saint-Fons, voilà, quand on fait des formations, on va bien réexpliquer le sens de ces vocabulaires. Et donc, quand on fait un POMS, la mise en sûreté, par définition, la sûreté, c'est un problème intrinsèque à l'organisation. Finalement, les risques majeurs, c'est pas un problème interne au bâtiment, c'est un problème environnemental. Donc du coup, voilà, on parle de mise à l'abri. Il faut bien expliquer ça à vos agents et de dire, voilà, on a un POMS. Pourquoi on a gardé le terme POMS? C'est parce que vous avez toute la doctrine, les guides nationaux, parce que c'est quelque chose qui est entré dans la tête de beaucoup de personnes. Vous tapez POMS sur Internet, vous avez les documents. Vous parlez, vous tapez dans Google plan de mise à l'abri. On n'a pas encore les documents et la doctrine. Ça va venir, c'est normal.
Tout à l'heure, il y avait une question sur votre pomme s'intègre-t-il l'aspect Vigipirate. Typiquement, quand on va se mettre à l'abri et se confiner, on n'est pas du tout compatible avec une fuite et une cachette. Donc, pour moi, à Saint-Fons, le POMS, c'est bien un outil propre au risque majeur. Risque majeur qui n'est pas risque industriel. Parce que là, par contre, on élargit l'approche en prenant en compte les risques naturels. Imaginons un plan grand froid, les personnes qui font un spectacle ou des fêtes ne peuvent pas rentrer chez elles parce que vous avez une alerte météo qui n'a pas été anticipée, etc. On va demander aux personnes de rester à l'abri dans le hall des fêtes le temps que l'événement se termine, que la tempête passe ou que le froid soit résorbé. Je vous ai mis à droite un tableau. Je vous ai dit tout à l'heure, Saint-Fons, c'est une petite collectivité, hein, c'est 600 hectares. Donc, c'est quelque part, c'est tout ou rien. Si je confine en action réflexe, je vais confiner assez large pour ensuite revenir en arrière et déconfiner un maximum en fonction des périmètres de danger, en fonction des informations, le sens du vent, etc. Donc, on est en action réflexe assez dynamique. Par contre, pour une grosse collectivité, l'approche, ça pourrait être de se dire, est-ce qu'il faut un POMS ou pas? Par où je commence? Il faut imaginer un tableau. Donc, en abscisse, vous partez sur tous vos risques que vous pouvez prendre dans le DDRM, dans le dossier départemental des risques majeurs. Vous gardez pas forcément tous les risques, parce que dans certains DDRM, vous avez le radon, vous avez le risque sanitaire, vous avez la menace attentat. Voilà, typiquement, ça, c'est un choix qu'on n'a pas conservé. Donc, on a exclu certains risques. Et ensuite, on a fait une analyse bâtiment par bâtiment, en ordonnée. Et donc, telle école, tel hall des fêtes, tel gymnase, est-il soumis à tel risque? Oui, non. Et après, on essaie d'analyser le risque par trois facteurs, trois critères. Le premier, c'est est-ce que c'est un risque qui va arriver très, très vite, dans lequel on ne peut pas anticiper beaucoup de choses? Est-ce que c'est un risque qui a un impact plus ou moins fort? C'est-à-dire que votre bâtiment qui reçoit un bureau pour l'écrivain public, qui a une salle d'attente, on va peut-être pas le traiter de la même façon que le hall des fêtes qui reçoit régulièrement pendant le week-end 600 personnes. Donc, quand vous avez le croisement de ces critères-là, ça vous donne une priorité. Est-ce que je dois faire le POMS sur tel bâtiment plutôt que tel autre? Voilà, ça, c'est une approche personnelle que je vous propose quand vous avez des dizaines de bâtiments assez excentrés, assez disparates. Autre objectif dans la démarche, c'était de s'assurer de la cohérence de tous les plans qui existaient. Donc, on a des plans hors sec, on a des dizaines de plans hors sec. On a le fameux plan communal de sauvegarde. Les écoles sont équipées de PPMS, plan particulier de mise en sûreté. L'idée, c'est pas d'ajouter une couche au millefeuille administratif, mais c'est bien de s'assurer que le POMS qu'on va mettre pour le périscolaire au sein d'une école soit bien cohérent et en phase avec le PPMS. En plus, c'est une obligation réglementaire. On a bénéficié de l'approche et puis de l'aide de la métropole de Lyon et de l'IRMA pour le fameux premier guide. Tu connais la première version, de quand elle date? Tu te souviens? 2015, premier guide sur les POMS. Et donc, on a travaillé ce POMS-là et voir s'il était adapté à notre patrimoine. Et puis, l'objectif des élus, c'était de ne pas avoir un projet un peu coquille d'œuf vide. C'est-à-dire qu'on voulait travailler à la fois du matériel adapté, mais si vous avez du matériel et personne pour les utiliser, ça ne sert à rien. Et puis, si vous avez des personnes qui ne savent pas l'utiliser, votre démarche, elle tombe à l'eau aussi. Donc, l'approche des élus, la demande des élus, ça a été de valider ça, c'est-à-dire on travaille à la fois sur de l'achat de matériel, mais pas que. On travaille sur la formation et donc des protocoles. Voilà, si vous n'avez pas ces trois axes, votre projet, il va pas tenir. Ensuite, on s'est inspiré de ça. J'ai pas mis la source là, je suis désolé. C'est l'approche anglo-saxonne sur la gestion des risques. Et la première démarche, la première étape, c'est prendre conscience qu'il y a nécessité à faire quelque chose. Et là, certains parmi vous, je pense, sont à cette étape-là, c'est-à-dire, c'est bien, on a notre plan communal de sauvegarde,
On a dans notre entreprise des protocoles d'évacuation incendie, mais je sens bien qu'il manque quelque chose. Voilà, on sait qu'on travaille à côté d'un site Céveso, on me parle des campagnes d'information préventive, on me parle d'un plan de mise à l'abri. C'est quoi ça? Qu'est-ce que j'en fais? À quoi ça sert? Deuxième étape, on évalue la vulnérabilité, on fait la planification, c'est-à-dire qu'on monte les procédures. Alors, procédure, méfiez-vous de ce terme aussi, parce qu'une procédure, c'est quelque chose qu'on doit forcément appliquer à la lettre, ce qui est très mauvais, parce que dans la réalité, rien ne se passe comme on imagine. Et donc, du coup, il faut que dans le protocole, les outils d'aide à la décision, dans ce POMS, vous ayez de la flexibilité. On donne les grandes idées, mais il ne faut pas non plus détailler chaque tâche, parce que sinon, ça ne correspond pas à la réalité. Et ce ne sera pas de toute façon lu et assimilé. Une fois que vous avez fait votre plan, il faut évaluer et améliorer les procédures. Ah bah tiens, on a visité le bâtiment, ce qu'on avait imaginé finalement, ça ne convient pas trop, on va rectifier. On investit, on recrute, on forme, et puis on fait de la veille. C'est important de s'assurer que la mallette n'a pas disparu, que la personne qui a été recrutée, la nouvelle directrice, elle a bien compris qu'il y avait certes la sécurité incendie, mais il y avait aussi des risques majeurs. Donc voilà, ça demande un travail au quotidien. En cas de sinistre, il y a une phase de gestion de crise, à toute échelle, ça va du préfet à la commune jusqu'au bâtiment, voire même pour les personnes parmi vous qui sommes des experts, peut-être que certains ont décliné leur plan familial de mise à l'abri. Ça, c'est une culture qui viendra. Dans quelques années, on en entendra de plus en plus parler. Une fois que le sinistre a été géré, il y a une phase de retour à l'expérience, un débriefing à chaud. On gère le retour à la normale qui peut prendre des mois. J'ai en tête le séisme du Tell en Ardèche où là on a encore des gros travaux de mise en sécurité. Et puis la dernière étape de la gestion de crise, c'est quand même de revoir ce qu'on peut améliorer. Et donc on fait une boucle et on revient sur le POMS. Et on modifiera, on complète, on revoit les procédures, on reforme les personnes, etc. etc. Si je fais un zoom sur la frise chronologique à Saint-Fons, on a commencé par une petite démarche en 2009 avec les directeurs des groupes scolaires. Voilà, on avait travaillé le plan communal de sauvegarde, on avait équipé les groupes scolaires de systèmes d'alerte, et donc on voulait impérativement faire en sorte que les consignes qui seraient appliquées dans les groupes scolaires soient cohérentes avec les consignes nationales. Ça a été fortement apprécié par les directeurs, parce que c'est vrai qu'un directeur d'un groupe scolaire, on demande énormément de choses. Et donc, le fait d'avoir un appui par les collectivités pour une démarche particulièrement compliquée, technocrate et faite de beaucoup d'abréviations, la sécurité civile, c'est quand même assez compliqué. Voilà, ils avaient besoin de vulgarisation, de se poser, de confronter leurs problèmes concrets de terrain. C'est-à-dire que moi, Monsieur Panier, je veux bien rassembler les personnes dans cette salle, mais il n'y a pas de sas. Donc, si j'ouvre la porte, je donne directement sur la rue. Est-ce que vous pensez que c'est bien? Voilà, ça permet de confronter et de donner une base en disant oui, dans la future démarche POMS, il faudra peut-être penser à. Donc on a capitalisé. Et en 2015, on a fait une expérimentation sur les bibliothèques de la ville. C'est une bonne étude de cas, puisqu'on a la bibliothèque centrale, enfin la médiathèque, et on a une bibliothèque annexe dans un autre quartier. Et donc, ce sont les mêmes agents qui se déplacent d'un site à un autre sur des plages horaires différentes. Et les bâtiments sont atypiques. C'est-à-dire, le premier bâtiment au centre-ville, la bibliothèque l'occupe entièrement. Et donc, il y a une seule directrice. Et dans l'autre bâtiment, vous avez une multitude de petits services municipaux ou paramunicipaux qui occupent le bâtiment. Et il n'est pas exposé de la même façon. Et donc, c'était intéressant de confronter la méthodologie de l'IRMA et de se dire, est-ce que la démarche, elle est valable sur les deux sites ou est-ce qu'à un moment donné, ça coince et on a besoin de revoir les consignes? On a accouché un an plus tard d'un POMS standard, je vous le présenterai après, et puis on a décliné en 2018 sur une quarantaine de sites. En 2019, avec l'aide de 4 stagiaires, on a du coup fait les livraisons, fait les formations, ça représente 350 personnes, élus, agents,
Ça nous a pris plusieurs semaines et ça a vraiment créé une dynamique porteuse, pour le coup, dans les services, en disant « Ah bah c'est bien, il y a quelques semaines, tu es venu visiter, les stagiaires m'ont parlé de local de confinement, mais on a vu qu'il n'y avait pas d'arrêt d'urgence ventilation, du coup, comment je dois faire ?» Et puis du coup, les formations ont amené une dynamique aussi dans les autres services en disant « Ah bah tiens, ça c'est bien, toi tu te confines là, j'aurais jamais pensé. Ah, puis dans la malle, tu rajoutes ça et ça et ça, ah bah c'est pas mal. » Voilà, donc cette dynamique-là, le Covid l'a fortement dégradée. Et donc l'enjeu aujourd'hui à Saint-Fons, c'est de repartir sur la formation des exploitants, toujours dans une approche globale, sécurité incendie, risque majeur, vigie pirate, et donc de réinculquer une culture du risque. Sur ces années-là, on a bénéficié de l'aide de stagiaires, de environ 7 à 10 stagiaires de Polytech à Grenoble, de l'ENTPE, de l'UIT HSE Lyon 2, de la fac Lyon 3. Donc à chaque fois, ça a été des profils plus adaptés à la phase de la démarche. Et je remercie ces stagiaires parce qu'ils ont fait un beau boulot. Dont notamment celui-ci qui a été de théoriser la démarche. Donc on a 4 grands domaines d'action, la phase d'initialisation, la sensibilisation à la communication, l'aspect logistique et toujours dans une démarche globale de se dire tant que j'ai pas testé mon protocole, je ne peux pas considérer qu'il fonctionne. Donc impérativement dans le projet, la phase d'exercice, de test était obligatoire. On n'a pas pu le faire sur les 40 sites par manque de temps, mais on avait pris des sites un petit peu révélateurs, des petits sites, des grands sites, des sites qui travaillaient en 24-24, ou alors des sites isolés. Je ne vais pas détailler là, vous l'aurez sur le support, mais voilà, il y a certaines étapes, certaines actions, certaines tâches qui prennent quelques jours à faire, et puis d'autres qui demandent un peu plus de recul, de se poser, de faire du brainstorming, de je ne veux pas dire de négocier avec l'exploitant, mais il y a un moment donné, des fois, vous allez avoir l'exploitant qui va dire « Non, mais moi, ma meilleure des salles, c'est le gymnase. Je les mettrai tous dans le gymnase. » Alors, on leur dit « Oui, mais le gymnase, c'est du plexiglas. Nuage toxique, plexiglas, ça fait pas bon ménage. Faut mieux les mettre à l'abri dans le vestiaire. Oui, mais le vestiaire, ça va pas. C'est pas assez grand. Je vais être obligé d'avoir plusieurs vestiaires. » Bon, il y a un moment donné, faut trancher. C'est aussi une relation de confiance avec l'exploitant. On peut pas arbitrer. C'est la situation qui commandera. Mais nous, dans nos plans, on va les guider vers la meilleure des solutions. Pour illustrer un petit peu les problèmes, enfin, les problèmes, ce n'est pas des problèmes, les enjeux, il n'y avait pas le guide d'Amaris que vous voyez là et qui est disponible pour ceux qui sont en présentiel sur le lieu ressources. Vous avez aussi la métropole de Lyon qui avait travaillé sur un guide. On n'avait pas encore ça à l'époque, et donc on s'était posé juste sur la question du choix du local de mise à l'abri. Comment on dimensionne, quelle superficie, quels sont les items indispensables. Et donc, il y a certains bâtiments, on n'a pas réussi à rentrer dans les items. Clairement, même, il y a la grosse majorité des bâtiments, il y a forcément un des items qui n'est pas respecté, au moins. La question des sanitaires, est-ce que j'ai le droit de sortir pour faire des allées et venues, parce que je vais contaminer l'espace de confinement. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on regroupe les personnes et on fait un petit train pour limiter les allées et venues? Est-ce que, du coup, un grand groupe, c'est pas gérable dans les sanitaires? Ça pose des soucis. La question aussi qui est venue dans les périscolaires, c'est des mineurs sous la responsabilité du périscolaire. Qu'est-ce que j'en fais quand vous avez des majeurs inconnus, à savoir les passants qui font leur marché, qui faisaient leurs courses, qui vont se présenter dans le bâtiment? Du coup, comment je les intègre? Est-ce que je reçois tout le monde dans la même pièce ou est-ce que je mets les mineurs sous ma responsabilité d'un côté et les majeurs dans un autre espace qui, de toute façon, sera moins adapté? Et du coup, comment je gère ces deux espaces? Voilà, ça, c'est typiquement une question à laquelle ben, je n'ai pas de réponse et on verra le jour J. Donc, ce qu'on a fait, par contre, c'est de dire on privilégie un premier local qui répond le mieux possible aux critères. Et ensuite, en fonction des personnes reçues, on élargira et on choisira d'autres locaux, le moins exposés possible. Et ça, c'est aux responsables, le jour J, de faire ce travail-là. L'outil ressemble à quoi? On a essayé d'éviter le gros pavé
avec le mot du maire, avec quelle est la prévention des risques à Saint-Fons, avec où sont les usines à risque, etc., pour vraiment rester sur un document que j'ouvre au moment où j'entends la sirène et que je dois mettre en sécurité mon personnel et les passants. Donc le guide, il fait une dizaine de pages, format A5, relié, il est en permanence dans la malle, et là-dessus, vous avez 10 étapes pour alerter, rassembler, etc. Tout à l'heure, à Sénaglo, on a abordé le sifflet comme moyen d'alerte, et au fur et à mesure des exercices, on s'aperçoit avec le recul que finalement, il n'y a peut-être pas, sur le scénario mis à l'abri, besoin d'un sifflet ou d'une corne de brume ou autre. Pourquoi ? Parce que en fait, la priorité, ça va être fermer les entrées principales, de ne pas inquiéter le public, et donc d'aller vers eux gentiment, en leur disant « Écoutez, pour le moment, vous avez entendu la sirène, on voit un gros panache, on va rester à l'abri, suivez-moi, je vais vous guider dans la salle. » Et généralement, dans les exercices, ça se passe mieux comme ça qu'un coup de trompette, corne de brume, que personne ne sait la signification, et donc pouvant prêter à confusion. Dans les écoles, l'idée, c'est aussi pour certains groupes scolaires, de dire on supprime la récréation, on ne fait pas entrer les parents et on attend. Les sifflets, pour nous, c'est plus lié au risque attentat, où là, on a des profs qui ont en permanence leur sifflet sur eux dans leur trousseau de clé et qui donnent un coup de sifflet pour alerter notamment l'ouverture des portails des cours, pour toujours le scénario de fuite que les enfants évacuent sur la voie publique. Dans les meilleures conditions, on espère. Toujours sur le plan d'urgence, donc on a ces fiches réflexes là à l'intérieur d'un livret. Ces fiches réflexes, elles sont identiques quel que soit le bâtiment. Que ce soit un gymnase, un centre de vidéoprotection H24, un hôtel de ville ou un centre social, les consignes, les 10 consignes, elles sont identiques. L'alerte, l'accueil des riverains, le confinement, enfin la mise à l'abri dans un local, l'arrêt d'urgence des ventilations, la patience. Faut patienter, hein. Le temps d'avoir une information autre que éviter secteur, pompier sur place, pour avoir les bonnes consignes sur le bon secteur, le bon quartier, il va falloir attendre 30 minutes ou 40 minutes minimum via les réseaux sociaux. On a des affiches. Ça, c'est intéressant pour que les passants qui viennent à l'abri sachent que n'utilisez pas cette porte parce que c'est pas un sas, mais allez sur la porte de service qui est un peu plus loin. Donc ça, là-dessus, je pense qu'on a encore des progrès à faire parce que c'est pas encore automatique. C'est pas quelque chose de naturel pour le personnel de ne pas utiliser l'accès principal habituel. On a une indication aux entrées, donc ce qu'on a appelé soit des instructions, soit des plans. Pour les bâtiments les plus compliqués, on a fait des plans. Mais c'est tellement lourd à mettre en forme, à mettre à jour, qu'on a essayé de limiter ces plans et de préférer une instruction, une affichette, format A4, qui dit juste, je sais pas, il n'y a pas un laser, hop, je ne sais pas si vous voyez la souris, ici, il y a un laser en présentiel, voilà ce qu'il ne fallait pas faire. Hop, voilà, ici, vous avez une affichette qui se retrouve dans tous les locaux municipaux, à côté du plan d'intervention sécurité incendie. Aussi, anecdote, hein. On a listé tous les affichages obligatoires au titre du code du travail, du code de construction d'habitation, du code de l'environnement. On a maintenant un minimum de 14 affiches aux entrées principaux de nos bâtiments. Autant vous dire que 14 affiches, c'est noyé dans la masse. Entre le défibrillateur, la sécurité incendie, l'avis de la commission de sécurité, les plans Vigipirate. Voilà, il y a un moment donné... Le législateur devrait se pencher sur la question. Je ferme la parenthèse. L'idée, c'est que le responsable du bâtiment reconnaît le signal d'alerte et se dise « Où est-ce qu'on a mis la malle au fait ?»« Ah tiens, je crois qu'à l'entrée, ça doit être marqué quelque part. » Donc, on a pris la couleur violette, synonyme de risque majeur. Il n'y a pas de charte graphique nationale, ça manque. Clairement, les pictogrammes qui sont disponibles sont un peu vieillots, ça fait pas rêver. Donc, on a essayé de faire quelque chose de simple. Le premier enseignement, c'est où se situe le local de confinement. Le deuxième, c'est où se situe la malle contenant le matériel.
La troisième donnée, c'est où sont les portes d'accès, voire la porte de livraison. On a distingué ça, au final, avec le recul, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Mais au début, on s'était dit, il faut un accès pour les personnes qui viennent se mettre à l'abri, et il faut un accès pour le SAMU qui va venir récupérer une personne en état d'urgence vitale. Et finalement, après avoir analysé la quarantaine de bâtiments, on s'aperçoit qu'on passe régulièrement par la même porte, sauf exception. Et puis, dernier point, c'est le fameux arrêt d'urgence ventilation, quand il existe. Et là, on a eu des mauvaises surprises parce que certains arrêts ventilation, quand on les a testés en réel, bah, ça ne coupait qu'une partie de la ventilation. On avait plein d'exceptions. Donc ça, sans travaux, c'est compliqué. Mais au moins, s'il n'y a pas d'arrêt d'urgence, la consigne qui est dans le POMS, c'est de dire, vous le bouchez par du textile humidifié stocké dans la malle, ou alors de l'adhésif, ou alors des feuilles PVC plastique transparentes, vous savez, les feuilles de classement, quoi. Et ça, vous les mettez sur les bouches et ça suffit pour limiter la pollution. Et puis, on a essayé de baliser le local de mise à l'abri, mais là aussi, ça ne fait pas rêver. On n'a pas trouvé encore le bon support, pas trop cher à voir. Donc, du coup, au quotidien, quand on doit mettre à jour, on va éviter de mettre à jour ce petit livret. Par contre, on va modifier l'affichette qui est affichée aux entrées du bâtiment. Et puis, on a certains directeurs, certains exploitants qui préfèrent baliser beaucoup, peut-être trop, et puis d'autres qui disent « Non, mais on verra, tout est affiché, le bâtiment est petit, c'est pas compliqué, on se réunit tous dans la salle de réunion, ça ira bien. » Donc ça, à la limite, moi, j'impose pas, c'est aux exploitants d'organiser leur consigne. Dans le POMS, dans le petit livret, vous avez une partie propre au bâtiment à rédiger à la main. Donc, on peut ajouter des consignes particulières. Voilà. Sur le matériel, on a du matériel de base. Il y en a certains, c'est juste pour rassurer. Voilà, vous avez des sucres, un sucre par personne. Bon, je ne suis pas sûr que ça nourrit son homme, mais au moins, ça permet de donner quelque chose à quelqu'un. Vous avez une couverture de survie et un sucre par personne et un verre d'eau. Au moins, chacune des personnes présentes dans le local, il y a de quoi un minimum de quoi être considéré. Et ça, psychologiquement, c'est intéressant. Ça fait partie de la gestion un peu du stress, de même qu'un minimum de documentation, des jouets pour les crèches. Voilà, faut un minimum dans cette malle pour que les gens qui vont patienter au moins une demi-heure, 40 minutes, voire même 2 heures, même plus, on ne sait pas, puissent s'occuper. Et pas ressasser et aller chercher les rumeurs sur Twitter. Des moyens d'alerte, de communication, de première urgence, de balisage, d'hygiène, d'étanchéité, d'information. Voilà, c'est une malle qu'on a trouvée chez un prestataire, qu'on a complétée par ailleurs. L'adhésif, on en a mis trop peu, il n'y a qu'un seul rouleau, ce n'est pas suffisant, il faut en mettre plus, des rouleaux de 25 mètres. Il manque des masques, avec le Covid, on n'a pas encore réassorti, mais voilà, on a des malles pour 50, 100 et 150 personnes. Donc, c'est intéressant d'avoir les masques en plus. Les enveloppes, les bons réflexes, pour rappeler à la personne bah, quels sont les risques à Saint-Fond, voilà, pour échanger, se dire, t'as vu le nuage, qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que ça peut être, quelle usine? Ah bah tiens, on va regarder, regarde. Ah oui, tiens, ah, puis en fait, fallait arrêter de téléphoner? Ah bah oui. Ça, c'est pas marqué dans le POMS, mais c'est marqué dans le document d'information préventive. C'est un autre document. Quel coût? On est à peu près sur 200 euros TTC. Et alors, pour celles et ceux qui ont un budget d'investissement et de fonctionnement, petit conseil, les malles, le contenant, vous pouvez le passer en investissement avec de la RCTVA. Et le contenu, il faut le passer en fonctionnement. Enfin, je ferme la parenthèse. Et régulièrement, vous avez les consommables à remplacer. C'est, à mon avis, ce qui est plus lourd dans le projet, outre la formation permanente des personnes. Mais voilà, c'est de faire le tour des 40 malles et de s'assurer que la trousse de secours ne soit pas trop périmée. L'avantage de cette malle, c'est quoi? C'est que c'est dimensionné. C'est que les agents, quand vous allez leur donner l'ordre de se mettre à l'abri, eh ben, ils vont être de quoi occupés, clairement. Je vais chercher la malle, j'ouvre la malle, je commence à lire les procédures. Ah bah tiens, il faut prendre l'adhésif, il faut étanchéifier toutes les portes. Bon, ben, au bout d'une heure, vous avez fini vos portes.
ça occupe. Et du coup, ça aide les agents en disant ben, on nous considère. C'est-à-dire qu'on ne nous lâche pas dans un bâtiment insuffisamment protégé. Voilà, on me considère, on me donne les moyens d'agir. Ça, c'est important. Les risques, évidemment, c'est que ça disparaisse et je n'ai pas de solution. Alors, on s'attendait à plus de dégradation et de vol, parce que des mâles comme ça, pour déménager, c'est tip-top et idéal. Il y a des vers dedans, donc pour se rafraîchir, faire un apéro, c'est pas mal. Et finalement, on s'aperçoit avec le recul que non, c'est clairement écrit que c'est, voilà, c'est la sécurité. On n'a pas plus de dégradation, voire même moins de dégradation que les extincteurs. Et donc, ça se passe plutôt bien. Elles sont rangées, si possible, à l'abri des regards et, si possible, facilement accessibles. Et là, on touche du doigt une limite qui est, que sont les associations qui bénéficient de nos locaux en autonomie. Par exemple, le club sportif qui vient pour ses entraînements dans un gymnase, il faut que le responsable soit formé et dispose des clés du local où est rangé le matériel. Et ça, ce n'est pas toujours simple. Voilà, modifiable et à compléter dans le temps, ou quelque chose qui soit assez souple. Ce que j'explique aux directeurs, aux exploitants, c'est de dire, moi, je vous donne une base. Si vous voulez rajouter quelque chose dedans, faites-le, il n'y a pas de problème. Mais pensez que derrière, il faut le maintenir à jour, actualiser, remplacer les denrées périmées, etc. La question des bouteilles d'eau est revenue plusieurs fois sur le devant. Faut-il des packs d'eau ? Pour celles et ceux qui ont essayé de mettre en place ça, c'est très compliqué à gérer. Parce qu'en fait, vous n'avez pas de stock permanent ou stock roulant. Et donc, du coup, ces bouteilles d'eau-là, au bout de 8 mois, sont rapidement périmées. Donc, ça nécessite une vigilance particulière. Je ne l'interdis pas, mais voilà, j'expose juste que c'est compliqué. Et puis, l'entreprise, le concessionnaire de réseau d'eau potable nous a confirmé que sur Saint-Fond, sur la métropole de Lyon, dès que le plan Orsec était déclenché, le réseau était coupé des puits de captage et que le réseau bénéficiait de l'eau stockée. Donc, conclusion, tant que l'eau sort du robinet, l'eau est considérée potable. Donc, on a équipé nos mâles de verres, 150 verres à peu près, et donc les personnes qui sont confinées boivent l'eau du robinet. Jusqu'à la prochaine crise qui montrera peut-être que ce n'était pas la bonne... Je ne sais pas. Les difficultés, il y a eu des beaux challenges. Le premier, j'en ai parlé, c'est que l'absence de charte nationale ne facilite pas l'acculturation. C'est vrai que dans le monde idéal, quand vous avez un agent qui est recruté, qui vient de la ville d'à côté, qui est soumis au même risque, ce serait bien que les protocoles qui sont dans cette ville soient les mêmes que la nôtre. On a, par exemple, des profs de musique qui travaillent au conservatoire de la ville de Vénissieux, qui travaillent à Saint-Fond. Et donc, du coup, les protocoles sont pas pareils, la charte graphique n'est pas la même. Du coup, voilà, c'est un peu compliqué. Donc, on aimerait bien, pour faciliter l'acculturation des populations, voilà, quand vous avez des mamans d'école qui passent devant le panneau avec confinement, local technique, etc., quand cette maman-là, elle a bénéficié des travaux de Sécurinov pour mettre en conformité son logement dans le cadre du plan de prévention des risques technologiques, ce serait intéressant que la charte graphique utilisée pour son logement soit le même que sur les établissements publics, enfin, établissements publics et privés. Évidemment, c'est une démarche de longue haleine qui nécessite un fort engagement tout au long du projet, c'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de turnover au sein des agents. Donc, du coup, tous les ans, l'idéal, ce serait de faire un exercice dans chacun des bâtiments. Ça, c'est l'idéal, c'est de la responsabilité d'exploitant. Il y en a peu qui le font, et en plus, la crise du Covid est carrément antinomique, enfin opposée au réflexe de confinement, puisque l'idée, c'est de faire de la distanciation sociale et de ne pas regrouper les mêmes personnes dans un bâtiment mal ventilé. Donc, clairement, on n'a pas testé en 2019-2020 les pommes, c'est dommage. Mais il va falloir que dès que le Covid sera passé, il faut qu'on se remette à faire des exercices. Il n'y a que ça qui permet d'acculturer et de faire progresser les usagers et les agents. La doctrine, vous avez bien compris, elle est fluctuante. Le plan de prévention des risques technologiques apporte aussi une dimension sur ces plans. Donc, il faut qu'on garde en tête que ce qui est acquis n'est pas forcément valable
à terme. Le risque aussi, c'est les procédures exhaustives. Très, très souvent, j'ai eu des questions des exploitants en disant « Ah oui, mais chez nous, c'est particulier, il y a ça. Voilà, j'ai un veilleur de nuit, ce que vous proposez là, ce n'est pas adapté. » Alors, on a commencé à prendre en considération, mais alors après, le risque, c'est de dire dans le plan communal de sauvegarde, on est incapable de tenir à jour une note de consigne particulière en fonction de tel bâtiment. Donc, on a par contre responsabilisé l'exploitant en lui disant bah, « Très bien, vous avez le carcan, vous avez le cadre d'intervention, à vous de l'adapter. » Il y a des choses qui ne sont pas forcément pertinentes, mais d'un autre côté, c'est leur responsabilité. La dépendance du plan communal de sauvegarde, hein, je vous disais que, exemple pour illustrer, dans un exercice, on a activé les POMS, et donc tout de suite, il y a les gardiens qui nous ont appelés pour dire « Oui, alors Jacques-Olivier, on a 300 personnes confinées, on a fait ça, 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 ça et ça. » Autant vous dire qu'ils ont été plusieurs à le faire, qu'on ne s'entendait plus sur les portatifs radio, que ces informations-là n'étaient pas pertinentes à ce moment-là, et donc ça a plus compliqué la vie au poste de commandement communal qu'autre chose. Donc l'idée à communiquer, c'est bien de dire c'est le plan communal de sauvegarde qui vient vers vous et non pas vous qui alimentez le plan communal de sauvegarde. Et ça, c'est très compliqué pour les personnes qui sont pendant des heures isolées, avec très peu d'informations, et donc du coup qui essaient par tous les moyens d'aller grappiller vers quelqu'un que je connais qui doit être au courant parce qu'il est dans le domaine. Sauf que du coup, ça neutralise les moyens d'action du chargé des risques majeurs, en l'occurrence. Donc voilà, il faut bien, pour moi, le message principal, outre reconnaître le signal, adopter le bon comportement, le troisième mot clé de la démarche POM, c'est patienter. On vous donnera l'information, adaptée, quand on pourra. On aimerait bien la donner dans les 5 minutes, mais voilà. Ensuite, quel retour ? C'est une dynamique essentielle, oui, forcément. Il y a des réticences, hein, comme tout projet, il y a des gens qui vont être super, ouais, c'est génial, puis d'autres, bah, j'ai pas le temps, c'est bien ton truc, hein, j'aimerais bien, mais bon, écoute, donne-moi la caisse, je m'en occuperai après. Bon, voilà, vous avez tout le type de profil. Vous avez aussi, à force, des agents qui sont sensibilisés par les campagnes quinquennales d'information, par le DICRIM, par des mails réguliers de « attention, fausse alerte »,« ah, attention, vraie alerte », etc., qui ont vécu des moments de stress. On a eu un site Céveso qui a brûlé en 2015. Voilà. Donc, il y a certains agents qui sont demandeurs de consignes et que ce projet ne suffit pas à rassurer. Et d'un autre côté, vous avez des acteurs qui sont très contents d'avoir au moins quelqu'un qui pense à eux. Voilà, donc vous avez tout. C'est un outil pour le maire, c'est-à-dire que voilà, vous avez un projet à valoriser. Ensuite, c'est un outil qui, à force d'être utilisé, déployé, exercé, va rentrer dans les mœurs et dire ben voilà, si moi, préfet, je déclenche la sirène à 3h du matin, je vais peut-être créer un effet de panique, ou alors, si ça se trouve, je vais me dire maintenant, ils auront compris, parce que je vais acculturer les agents, la population, et la population va savoir que quand ils viennent à la médiathèque, ils savent que oui, quand il y a la consigne nationale de ne pas aller chercher les enfants à l'école et de vous mettre à l'abri dans le bâtiment le plus proche, bah oui, c'est sérieux, c'est concret. On sait que ça existe. Donc, si ça existe, on va avoir tendance dans les années à venir à utiliser de plus en plus les POMS et à les déclencher plus facilement que des événements qui, jusqu'à présent, ne nécessitaient pas un déclenchement complet de plusieurs bâtiments confinés. Voilà, ça, c'est à mettre dans la balance. Et puis, je vous remercie de votre attention. J'en terminerai là pour ma présentation. Merci. Merci. Bien, vous l'avez vu, tu t'es épanoui, tu t'es passionné comme je te connais. Je t'en remercie, tout simplement parce que Hortec, l'intervenant suivant, n'est pas avec nous aujourd'hui. On va prendre des questions. Oui, Daniel Sojgadou pour Amaris. Sur la question de l'acronyme POMS ou plan de mise à l'abri, qui devient PMA, je rappelle que PMA, c'est post-médical avancé. Et si jamais demain un maire demande, une autorité demande, est-ce que les PMA sont armés, le maire va comprendre post-médical avancé.
Alors que POMS, on a regardé, parmi les acronymes, ça n'était pas utilisé. Voilà, c'est simplement... Mais c'est du Canada Dry, plan de mise à l'abri. Merci. Donc, Daniel Sauge-Gadou, référente technique d'Amaris, l'association des collectivités pour la maîtrise des risques technologiques majeurs. Voilà. Je reviens sur ce qu'a dit Jacques-Olivier. Effectivement, on a créé un guide équipement public, mais on a aussi un guide sur les activités économiques. Alors, pourquoi on les a créés, ces guides? Parce que dans le cadre des PPRT, des plans de prévention des risques technologiques, je dirais, sur pour les habitations, il y avait des choses très claires qui étaient effectivement, soit on exproprie, on délaisse, ou effectivement, les habitants font des travaux. Alors que pour les équipements publics comme pour les activités économiques, il y a trois mesures possibles. La première, qui est incontournable, qui est effectivement de faire un POMS. Voilà. La deuxième, qui est d'organiser les activités pour protéger les gens dans les bâtiments. Grosso modo, je mets les stockages face aux sites chimiques et les gens qui travaillent en arrière. Et puis, le troisième point, c'est réduire la vulnérabilité par des travaux sur les bâtiments. Voilà. Donc, on a créé ce document-là. Il est téléchargeable sur le site d'Amaris, pour ceux qui ne sont pas là en présentiel. Et vous allez aussi trouver une note juridique. Parce que quand on a travaillé sur, entre autres, les équipements publics, on s'est dit effectivement que les maires avaient des responsabilités importantes en matière de gestion des risques d'une manière générale et de gestion de crise aussi. Et on a demandé à une avocate lyonnaise avec laquelle on travaille, qui est Soraya Benabed Sadok, maître Soraya Benabed Sadok, de travailler avec nous sur cette note juridique. Donc, je ne peux que conseiller aux techniciens et aux élus des collectivités d'aller chercher cette note sur le site. Et il y a aussi des pictos, parce qu'on a eu la même réflexion qu'a dit Jacques-Olivier. Il y avait ceux du ministère, donc les violets, mais qui datent. Hein. Et donc, on a fait travailler un graphiste. Donc, ces pictos sur le site sont téléchargeables et ils sont libres de droit. Donc, allez-y, prenez-les. Alors, il en manque certainement, hein, mais bon, il faut savoir que ça existe. Voilà. Et puis, je reviens sur ce que tu disais, Jacques-Olivier, tout ce qui est ICPE, sur lequel il y a beaucoup et de plus en plus, malheureusement, d'accidents. Un quart des accidents industriels sont dans des activités à gestion de déchets. Voilà. Mais il y a effectivement tout ce qui monte aussi, la méthanisation, l'hydrogène, le stockage de batteries, etc. Et puis tout ce qui est en lien aussi, ce qu'on commence à travailler là avec, entre autres, la métropole de Lyon, mais pas que, sur les pollutions. Pollution de l'air, pollution des sols et bien entendu, donc air, eau, sol, et puis les relations aussi avec la santé. Et ça a aussi des interactions, parce qu'on en est à se demander, mais est-ce qu'il ne faut pas aussi revoir les POMS sous cette version-là, qui s'appelle la version de pollution suite à un accident industriel, hein, Lubrizol, ou effectivement des pollutions plus continues, mais avec parfois des pics. Bien, merci. Ce que j'entends, c'est que là encore, on pointe des ressources documentaires. Il y a celle de Covalet de Seine, celle d'Amaris, centre de ressources. Je propose que les collègues en interne, quand on fera le replay, comme on l'a fait sur les précédentes sessions, on ait le petit dossier documentaire qui va bien avec les liens ad hoc. Je sais qu'ils vont veiller au grain et vous serez sollicités. Ayez le réflexe de nous transmettre vos informations pour la complétude. Y a-t-il d'autres interventions dans la salle? Alors, on va aller au fond. Le président s'est exprimé en ouverture, mais il a envie de dire quelque chose. Le président de l'IRMA, j'entends. Merci, François. Non, simplement, moi, en tant qu'ancien adjoint, justement, à la Charte de Charité, je voulais savoir, par rapport, dans vos propos, on a vu la complexité, quand même, de la mise en place de ces possibilités de mise à l'abri dans les établissements publics, bien sûr, en ce qui concerne les mairies, les communes.
Par rapport aux agents, quelle démarche vous avez eue pour les faire adhérer? Parce que moi, on a rencontré la difficulté, ce n'est pas dans leur contrat de travail, si vous voulez, qu'ils doivent automatiquement adhérer à ce type de disposition. Et nous, on avait rencontré cette difficulté pour mettre en place l'organigramme d'un plan communal de sauvegarde. Et donc, dans ces dispositifs, pour qu'ils soient efficaces, c'est-à-dire qu'ils soient opérationnels, bien sûr, mais efficaces, vis-à-vis des agents de votre collectivité, quelle est la démarche que vous avez eue avec eux? Est-ce qu'il y a eu une concertation, une élaboration, un consensus après pour qu'ils puissent vraiment adhérer à ce type de dispositif? Merci. Alors, je ne vous cache pas qu'il y a eu un avant et un après un incendie en 2016 dans un des sites Céveso, là où on a eu un décès, avec un gros panache de fumée, de suie, qui s'est levé très haut dans le ciel, qui n'a pas impacté directement les quartiers. Et ça se passait vers 11h45, donc sortie des écoles, à proximité de centres de loisirs, etc. Et là, il y a eu une vraie prise de conscience, en disant, ben, on ne peut pas dire, quand on ouvre le guide des bons réflexes, vous regardez la cartographie des bons réflexes, j'avais avant ça beaucoup de réflexions en disant, mais regarde Jacques-Olivier, on est une petite commune, on est au centre de ton cercle, de ta patatoïde de 10 km. On sera mort avant de faire quelque chose. C'est ça les freins que j'avais. Et le discours, il a complètement changé suite à l'incendie du site Céveso, où là, ils se sont aperçus que finalement, y a quand même des dangers intermédiaires et qu'ils sont censés mettre à l'abri les personnes avec qui ils sont. Et donc là, voilà, déjà, ça a été concret, mise en situation. Et puis ensuite, il y a quand même une anxiété de fond avec les menaces attentats. Et puis, ce qui a le plus marché, c'est le fait d'aller rencontrer les exploitants et les agents sur leur lieu de travail, en disant, voilà, on lance une démarche, on vient repérer, s'il se passe quelque chose, où est-ce que vous devez vous protéger? Et ça, ça les a rassurés quelque part. Mais voilà, ça prend du temps, hein. Faut faire le tour des 40 bâtiments. En même temps que vous faites le diagnostic bâtimentaire, faut prendre le temps de sensibiliser les personnes. Merci. Il y a une autre question de la part, ou réaction de la part de représentants de la ville de Crolles qui sont dans une démarche également de généralisation de plans, hein. Je ne vais pas dire de gros mots. Et ensuite, on aura un intervenant représentant d'habitants. Amandine. Oui, c'était plus un... Présentez-vous. Oui, Amandine Chevin, responsable de l'environnement, de l'agriculture et de la prévention des risques sur la commune de Crolles. Et donc, nous, en 2021, on a mis en place 16 POMS sur l'ensemble de nos établissements. Et c'était plus en réaction à Monsieur le Président. Donc, nous, au départ de notre démarche, en fait, pour impliquer notre personnel communal, ce qu'on a fait, c'est qu'une fois qu'on avait identifié nos 16 établissements qui étaient à la fois... des établissements scolaires pour le côté périscolaire, des gymnases, les salles polyvalentes, la MJC, le service jeunesse, la mairie, le centre technique. En fait, on a rassemblé tous les directeurs d'établissement, parce qu'en cas de souci, c'est quand même eux qui sont responsables et c'est eux qui sont sur place. On a fait une formation en lien avec l'IRMA, mais dirigée POMS, sur qu'est-ce qu'un POMS, à quoi ça sert, comment on le met en place. Après, on avait un chargé de mission qui a été chargé de faire la rédaction des POMS, mais il ne l'a pas fait tout seul. C'est-à-dire que toutes les visites dans l'établissement, il aurait pu les faire tout seul, mais à chaque fois, il a associé les directeurs pour qu'ils aient bien conscience d'où étaient les éléments, où étaient les différentes choses. Après la rédaction, c'était, en fait, il y a eu beaucoup d'allers-retours pour que les directeurs aient vraiment conscience de ce qu'ils avaient à faire, parce qu'en disant qu'en cas de souci, ce n'est pas nous, le service des risques, qui serions dans le bâtiment pour l'évacuation ou la mise à l'abri. Donc, on a vraiment beaucoup travaillé là-dessus. Vous parliez tout à l'heure des coupures de ventilation. Nous, on a mis des petits autocollants. On a créé deux petits autocollants. On a repris l'autocollant électricité, mais on a remis un petit peu de violet pour le remettre par rapport au risque, pour vraiment, en fait, que ce soit ancré. Il y a un problème, il faut couper l'électricité. C'est là. Voilà, on voit plutôt que de savoir le boîtier blanc, le boîtier rouge, en plus, ils n'ont pas toujours les mêmes couleurs et savoir. Donc, on a vraiment fait ce genre de choses-là. Après, quand le travail des POMS a été terminé, il y a de nouveau eu du travail avec les équipes par bâtiment pour les resensibiliser à qui devait faire quoi, comment,
où un petit film avait été fait en interne, diffusé en interne sur le journal qui est avec les bulletins de paye. On a refait un petit topo. Ça ne redit pas ce qu'il y a dans les pommes, mais c'est il y a un pomme sur votre établissement. Allez voir votre directeur, il vous l'informera. Et nous aussi, on est parti sur un livret d'une dizaine de pages, très court, très synthétique, et des fiches actions. Et dans les actions qui ont été mises en place et proposées par notre chargé de mission, c'était des micro-livrets, on va dire, qui font un A5 recto-verso, où en gros, bah voilà, comme vous disiez, il y a l'action évacuée ou mise à l'abri. Et en gros, ça reprend tel risque, bah là, vous sortez ou vous rentrez, et c'est tel endroit. Et ce petit document était remis à l'ensemble des agents pour essayer de les sensibiliser. Nous, on a essayé dès le départ, et on a essayé tout le long de la démarche, d'impliquer les agents, parce qu'ils avaient tendance à se reposer un peu sur le service des risques. Et nous, c'est bien de leur dire que on a une salle culturelle, mais s'il y a un problème dans une salle culturelle à 21h, nous, on n'y sera pas. Merci en tout cas pour le caractère pratique, intelligible des interventions, des réactions, des questions. Il y avait une personne là-bas qui levait la main. Merci, présentez-vous à nouveau pour ceux qui sont à distance et qui ne vous voient pas à l'écran. Merci. Pierre-Louis Serrero, CIVIPA, Association d'habitants de Grenoble-Alpes-Métropole. J'ai entendu un nom qui m'a fait peur. 14 affiches à mettre dans un bâtiment recevant le public. Je me dis, en entreprise, les directions, les personnels ont la culture, savent qu'ils sont, quand ils sont dans un site à danger, ils le savent, ils s'entraînent à. J'ai deux questions. Est-ce qu'à un moment donné, il y a une réflexion engagée pour que ces 14 affiches, ça devienne quelque chose de lisible, qu'on synthétise peut-être certains documents? Ça, c'est la première question. Seconde question. Il y a un événement où les établissements recevant du public reçoivent la population générale. C'est le jour du patrimoine. Est-ce qu'à votre avis, ce serait faisable pendant ces jours où beaucoup d'établissements publics ou ERP, on pourrait associer un moment où, en gros, ça supposerait que les bâtiments soient, il y ait ces éléments d'information, où on expliquerait à la population générale, dans un bâtiment, quand il y a de la foule, avec l'environnement, il peut y avoir un danger, et ce serait le moment de l'expliquer. Alors, concernant la question des affiches que je donnerai comme mot dite macroscopique, j'ai envie de me retourner vers Corinne Thiévent, qui représente le SPI grenoblois, et c'est l'occasion de rappeler ce qui avait été diffusé à travers la campagne PPI. Et là, je prends ma casquette associative et je provoque tout le monde, puisque prochainement, il y aura la prochaine campagne PPI. Et à cette occasion, je pense que les chefs d'établissement, les chefs d'entreprise, doivent être parmi les publics cibles de cette campagne d'information, parce qu'ils sont des relais, voire des prescripteurs, auprès des usagers, des salariés. J'ai fait passer le message à plusieurs reprises, mais je tiens mordicus. On l'avait fait en 92-93 pour la campagne PPI à l'époque. Chef d'établissement, Corinne, pour les affichettes qui ont été diffusées et qui ont une approche un peu standardisée, comme l'a suggéré Jacques-Olivier Panier. C'est macroscopique, mais c'est déjà ça. On peut en dire un mot ? Oui, tout à fait. Donc, on est un peu long à la détente au Spiral et au SPI François, mais ça fait un moment que tu nous parles des ERP. Donc, c'est une des cibles qu'on a bien en ligne de mire depuis plusieurs années. On a effectivement des affichettes standards qui ont été distribuées, qui rappellent les consignes un peu dans le détail, mais qu'on peut retrouver. Hein, moi, je les vois quand même régulièrement dans des centres commerciaux, dans divers lieux, un musée, etc. Et par contre, avec Guillaume Bréjassou du Spiral, que je salue, on a bien pour objectif de faire mieux dans la prochaine campagne de 2023, et ça sera aussi un objectif important pour nous. Voilà. Vous allez le dire dans un instant, la matinale, elle est à l'initiative conjointe des deux SPI. C'est pas un one-shot. Il y a eu la diffusion de bonnes pratiques. Hein. Vous en avez été destinataire pour les 600 communes directement concernées par la campagne PPI. Et à l'issue de la matinale qui avait pour objet de vous sensibiliser, de vous mobiliser, il y aura des formations. Elles sont déjà au calendrier, mais je vous en laisserai en parler puisque vous en êtes à l'initiative avec notre concours. On va passer un peu côté visioconférence. Mathias, tu as la parole. Si on peut avoir le nom, la personne qui pose la question, merci.
Alors, première question, c'était quels sont les moyens d'alerte qui sont utilisés dans les établissements, donc pour Jacques-Olivier, en dehors des moyens d'alerte habituels qu'on retrouve, les alarmes et ainsi de suite. Donc, si tu peux préciser ce qui a été proposé dans ta démarche. Donc, ça, c'était la question de Monsieur Brun. Alors, déjà, la première à la base, c'est d'expliquer aux agents que d'eux-mêmes, ils ont le droit d'alerter l'intérieur du bâtiment s'ils constatent qu'à l'extérieur, il y a un danger. C'est-à-dire que n'attendez pas forcément la sirène déclenchée par le préfet, validée par je ne sais qui, etc. Mais à un moment donné, quand vous constatez, je sais pas, vous avez une fuite de gaz, vous avez un chantier, vous commencez à percevoir que les gars du chantier sont en train de courir parce qu'ils ont perforé la canalisation de gaz, voilà, d'initiative, ils doivent mettre à l'abri les personnes qui sont dans le bâtiment. Ensuite, les moyens d'alerte, on a, et ça j'insiste, pour moi, le seul canal valable, c'est la sirène, parce que les textes le prévoient, c'est d'abord reconnaître la sirène. Et anecdote, je faisais une intervention au CNFPT avec des policiers municipaux dans la Drôme, et un mardi matin, la sirène se déclenche. Je les vois tous dégainer leur portable. Ouais, on est à côté, etc. Je vais m'enseigner, je vais vous dire ce que c'est. Je les regarde, je leur dis, mais vous inquiétez pas, c'est un exercice. Ah non, mardi, j'ai pas eu de fax, personne ne m'a prévenu, ça doit pas être un exercice. Je dis, si, c'est un exercice. Pourquoi ils ont réagi comme ça? Parce qu'en fait, ils comprennent pas la sirène. La vraie sirène, c'est 3 modulations d'une 41. Et ce qu'on avait entendu, c'était une modulation d'une 41. Et donc, voilà, la sirène, il faut vraiment, ça suffit pas de dire, vous allez entendre la sirène. C'est quelle sirène? Quelle durée? Est-ce qu'elle est modulée? Est-ce qu'elle en continue? Et en fonction de ça, je vais pas agir de la même façon. Après, on a, comme on disait tout à l'heure, d'autres vecteurs d'alerte. Alors, attention là aussi sur le vocable. L'alerte pour nous, c'est quoi? C'est j'envoie un signal et la personne sait déjà à l'avance le comportement qu'elle doit adopter avec ce signal. Si c'est pas ça, ça veut dire que c'est de l'information. Et donc à ce moment-là, après, il y a plein d'autres vecteurs d'information. On a dans les écoles et dans les crèches ce qu'on appelle le SAMA. Ça n'existe nulle part ailleurs. C'est le système d'alerte pour la mise à l'abri. C'est depuis notre centre de vidéoprotection, on a des pupitres. Et le directeur, l'exploitant, a également un pupitre dans son bureau. Il peut diffuser des messages préenregistrés, soit diffuser un message direct, en verbal. Ce pupitre-là, il est relié par fibre optique, etc. Donc, on peut faire de la com, de la communication avec le poste de commandement communal. Par contre, c'est un sacré investissement. Donc, tous les bâtiments ne sont pas équipés de ça. On a 18 bâtiments qui sont équipés de talkie-walkie. C'était des anciens talkie-walkie qu'on allait ne plus utiliser. On les a dédiés pour la gestion de crise et pour équiper les plus gros bâtiments, et puis aussi en tant que PTI pour certains gardiens, protection des travailleurs isolés. Ça marche pas bien parce qu'en intérieur, le talkie-walkie passe mal. Donc, l'avantage, c'est que vous parlez une fois et tout le monde entend, s'il pense à l'allumer avant et à l'avoir chargé. On a un automate d'appel en masse. Donc là aussi, ça commence à être connu. On a fait un groupement d'achat intercommunal avec d'autres collectivités. On a une force de frappe, a priori, de 18 000 numéros de téléphone composés en moins de 6 minutes. Voilà, on ne l'a pas encore testé, c'est le début. On a les haut-parleurs mobiles de la police municipale et sur certains bâtiments, sur certains engins de la ville. Voilà, on a les mails, là aussi, en cas d'attaque-attentat. On s'est aperçu que la boîte mail à l'hôtel de ville, ça marchait beaucoup mieux qu'un coup de sifflet à l'extérieur. Donc, la formation peut aussi venir de là. Ce que je retiens, c'est le principe de redondance. D'autres questions? On oui. Parle bien près du micro, Mathias. Merci. Alors, deuxième question de Gaël Régal, c'est de savoir si tu as intégré la notion temporelle dans ton POMS, c'est-à-dire le fait de prendre en compte la cinétique de l'aléa dans la mise à l'abri des personnes. Oui. C'est pas simple. On a typiquement un bâtiment qui est une vraie passoire. C'est-à-dire, vous soulevez la plaque de faux plafond, vous avez les tôles ondulées du gymnase. Donc, en termes de confinement, autant rester sur le trottoir. Ce qui a été vu dans le cadre du plan de prévention des risques technologiques, c'est qu'à terme, ce bâtiment-là soit démoli. Mais dans l'attente, il faut que le personnel et les usagers puissent se mettre à l'abri dans un autre bâtiment à proximité. Et donc, effectivement, il y avait un bâtiment, le collège, qui dépend de la métropole, qui lui est en travaux, donc finalement,
ça ne va pas. Il a fallu trouver un autre local qui, lui, a été brûlé, vandalisé. Donc, aujourd'hui, on a un local identifié, des anciens vestiaires, qui vont être mis en travaux. Là, c'est en cours, les chantiers sont en cours, pour accueillir. Et donc, les effectifs maximum autorisés dans le gymnase sont limités aux effectifs accueillis dans cet espace. Et donc, il faut courir vite, à peu près 150 mètres pour rejoindre le local. Voilà, typiquement, ça a été pris en compte. Sur les travaux de mise en confinement, on a aussi priorisé certains bâtiments qui sont le plus proches des zones de danger. Très bien, merci. On me signale qu'il n'y a plus de questions côté visioconférence. J'ai eu les informations, on est à peu près 150-160 participants. C'est intéressant, on arrive à la fin. Est-ce qu'il y a encore une dernière question dans la salle ? Kroll, collaborateur, présentez-vous. Donc, bonjour, donc Anthony Vega, j'étais chargé de mission pour donc, PCS, DICRIM et POMS, comme Amandine l'a dit. Juste pour information, vous parliez de différents plans, hein, du coup 14, et qui pouvaient aussi poser problème. En fait, à Kroll, on est reparti sur les plans d'évacuation qui sont déjà de base dans les bâtiments et qui, pour la plupart, sont quand même très anciens. Donc, en gros, on a repris les mêmes en rajoutant donc ce qu'il fallait faire pour chaque risque. Sur ces plans, comme vous l'avez indiqué aussi, on a mis donc où est-ce qu'on devait se mettre à l'abri. Donc, dans chaque étage, on sait donc dans le bâtiment où est-ce qu'il va falloir se mettre à l'abri directement. Là où il y a une question à se poser, c'est que ces plans d'évacuation, on ne pouvait pas les reprendre directement. Donc ça, après, c'est une problématique à résoudre dans le futur. Mais voilà, enfin, on ne pouvait pas les reprendre directement. Donc pourquoi pas les unir ensemble pour que voilà, on arrive à des plans d'évacuation, mais aussi de mise à l'abri qui englobe tout, ce qui serait plus simple. Et deuxièmement, mais ça du coup c'est aussi une question. Quand j'ai fait les POMS, par exemple à la MJC de Kroll, il y a énormément d'intervenants extérieurs, par exemple les associations. Et je voulais savoir en fait comment vous avez fait pour les faire être mobilisés, on va dire, voilà, les mobiliser. Oui. Merci. Alors du coup, l'exemple type, c'est les gymnases, hein, avec les associations qui l'utilisent pour tout type d'activité. Et donc, ce qu'on fait, c'est que, un, il y a la signature d'une convention mise à disposition, et donc, dans cette convention-là, ils sont précisés les consignes de sécurité, vigipirate, risque majeur, sécurité incendie. Et ensuite, on essaie de faire une réunion annuelle, mais on n'y arrive pas, rassemblant un maximum de présidents d'associations. Et typiquement, cette année, on leur a présenté le pass sanitaire, parce que c'était un joyeux cadeau. Et ensuite, sur certains sites, on fait une visite qui répond au MS, je ne sais plus quoi, du code de construction d'habitation au titre de la sécurité incendie, où là, on présente la partie théorique, on a un support, une note qu'on leur laisse, on la commente avec eux et on fait le tour du bâtiment pour montrer les issues de secours, où sont les extincteurs, où sont les locaux de confinement, où sont la malle de confinement. Et ensuite, on fait signer à personne dans le registre de sécurité incendie. Voilà. Donc ça prend minimum une demi-heure par assaut. Mais voilà, c'est dans le texte réglementaire de la sécurité incendie. Mais je vous rejoins hein, sur l'idée de la norme des panneaux d'évacuation. Oui, il faut fusionner. Très bien. Merci. Merci à Jacques-Olivier Panier de la ville de Saint-Fons. Merci aux autres intervenants. On va maintenant arrivé à la fin de la session, on a quelques informations à vous faire passer et plus pratiquement, je vais me rendre sur le pupitre et je vais zapper et on va donner la parole à Corinne Thiévan qui va peut-être parler pour les deux SPI. Je salue au passage Guillaume Brézachou du Spiral Lyon qui est sans doute encore à l'écoute. Alors, informations sur les suites à venir. Tout à fait. Donc, je voudrais déjà remercier les deux intervenants pour leur retour d'expérience concret et vraiment très intéressant. Ça me permet de réinsister sur les quatre axes de la politique de prévention des accidents majeurs que nous, on décline régulièrement dans nos métiers d'inspecteurs. Donc, je les rappelle rapidement, la réduction du risque à la source,
la maîtrise de l'urbanisation, l'organisation des secours et l'information des populations. Donc aujourd'hui, on a vraiment, enfin, il y a deux points qui me paraissent fondamentaux, c'est l'importance des exercices, des entraînements, de le faire régulièrement. Et donc, on sait que le risque nul n'existe pas, que quand on sera confronté à un accident, on peut avoir un mode panique. Et au mieux ce sera organisé, au mieux on sera entraîné, au plus ce sera facile. Enfin, ce sera facile. On pourra gérer un peu mieux, on va dire. Et puis, l'importance de l'information des populations et le Spiral, le SPI et l'APORA. Quand on a préparé la campagne d'information 2018, on a vraiment eu à cœur d'aller vers le citoyen, lui permettre de mieux s'acculturer, de lui proposer différents outils. Et on en discute aussi souvent avec Irma, l'importance des multicanaux. Vraiment utiliser tous les canaux possibles, que ce soit l'éducation nationale, que ce soit les travaux avec les communes, que ce soit directement les industriels qui font aussi, alors un peu moins avec le Covid, mais des visites sur leurs sites industriels, qui répondent aussi à différentes sollicitations des riverains. Donc il faut vraiment veiller à utiliser tous les canaux complémentaires. Et c'est aussi la force du réseau qu'on a pu créer dans la région. Donc, sur les mois à venir, on voulait vous rappeler un certain nombre d'actions qui nous paraissent importantes et qui vont dans ce sens de l'acculturation au risque. Donc, on a, depuis la campagne 2018, on a aussi eu vraiment à cœur de ne pas faire une campagne réglementaire tous les 5 ans, mais de faire une campagne qu'on inscrit dans la durée pendant les 5 ans. Donc, pour ça, on a créé différents concepts. Notamment, on a créé un label « Les bons réflexes ». Donc ce label permet aussi de mettre en avant un certain nombre d'actions qu'on estime exemplaires. Donc il y a eu pas mal de collectivités, mais aussi des associations qui ont créé des actions et qu'on a labellisées. Et cette matinale de l'IRMA, elle en fait partie. Et on a créé aussi une journée, un grand rendez-vous annuel qu'on appelle la journée Les bons réflexes. Et donc je rappelle juste, en 2019, c'était sur les réseaux sociaux, en 2020 sur l'alerte, le signal d'alerte, on a parlé tout à l'heure de la sirène, on a aussi parlé du cell broadcast, etc. Donc il y a tout ça, c'est complémentaire aussi. Et en 2021, on a choisi de faire des exercices virtuels de gestion de crise participatif. Donc on en a fait 3 sessions en juin, entre 12 et 15 personnes, ça a eu un vrai succès. Donc on propose 2 nouvelles sessions, le 25 novembre matin et le 29 novembre après-midi. Pour cela, on a aidé Paratrisk qui prend vraiment en main cette mise en situation. Et les retours qu'on a eus sur ces exercices, c'est que c'était vraiment très intéressant, très concret. Donc, on vous invite à vous inscrire. Il y aura plus d'informations très rapidement sur le site Les Bons Réflexes. Donc, ça, c'était la première action. Et il nous paraît aussi important de vous reparler de cette pièce de théâtre qu'on a beaucoup diffusée en 2018-2019, un peu moins avec le Covid. Donc c'est une pièce de théâtre sur multirisques, hein, les risques majeurs, risques naturels et techno. Ça s'appelle « Oui, mais si ça arrivait ». C'est destiné aux scolaires et on a vraiment mis le paquet pour la fin 2021 pour rattraper un peu, je veux dire, le retard à cause du Covid en 2020. Donc il y aura 13 représentations dans le département du Rhône en novembre et en décembre. Voilà, et puis en complément de cette matinale, on va proposer avec l'IRMA 3 sessions de formation POMS pour les collectivités et les établissements exposés. Donc, il y en aura une fin 2021 dans le bassin grenoblois, une début 2022 dans le bassin lyonnais et une dernière session aussi début 2022 en Isère rhodanienne. Donc, c'est vraiment pour rendre concret tout ce qui a été présenté aujourd'hui, notamment par Jacques Olivier, sur la mise en place de ces plans de mise à l'abri ou de ces POMS. Merci. Une info sur la prochaine campagne PPI ou pas ? C'est quand qu'on se met au travail? Alors, il faut à peu près 1 an, on va dire, pour préparer correctement une campagne, parce que je rappelle, elle est d'envergure unique en France. Hein, elle touche plus de 120 établissements industriels, plus de 400 communes. Et c'est un peu une force de notre région aussi, c'est qu'on travaille vraiment collectivement en groupe de travail avec un COPI, le co-présidé par l'ADREAL et les métropoles de Lyon et de Grenoble. On essaye vraiment de co-construire les différents outils. Donc, vous avez là... sur le kakémono à droite, là, la brochure, le magnète. D'ailleurs, pour rebondir sur ce qu'a dit Jacques Olivier, sur le magnète, nous, on parle bien de mise à l'abri, effectivement, et pas de confinement, parce que le premier réflexe, c'est vraiment, vous entendez la sirène, vous rentrez dans un local clos le plus proche possible, vous vous mettez à l'abri. Donc, on va commencer à travailler sur la prochaine campagne en 2022.
sachant qu'on attend aussi quand même un certain nombre d'annonces qui devraient être faites par la ministre sur la culture du risque, sur les différents outils ou les meilleurs modes de communication. Donc, on s'en inspirera forcément. Donc, la ministre qui, suite à une mission d'information, fera des propositions pour consolider la culture du risque en France. Quelques actualités de l'IRMA et on en terminera pour cette matinale. Des petits rappels, donc la possibilité en replay de consulter les sessions en vidéo des matinales et autres opérations journée technique de l'IRMA. J'attire votre attention sur le dossier ou l'onglet documentaire qui vous permettra d'accéder aux ressources qui ont été évoquées au cours de la matinée. J'attire votre attention pour la troisième fois sur le sondage pour les participants en visioconférence, mais également pour ceux qui sont présents dans la salle, avec le dossier du participant et la fiche évaluation. Mes collègues ne vous feront pas sortir si on ne la récupère pas dans la salle. Message sympathique auprès de ceux qui nous voient, qui nous entendent, pensez au sondage, ça nous permet de faire des statistiques, de rendre compte, mais également, soyez force de proposition, puisqu'il y a des propositions, je crois qu'il y a une rubrique, si vous avez des idées ou des propositions. Le programme de formation 2022 de l'IRMA est prêt, j'attire votre attention, il sera mis en ligne dans les prochains jours, et il accompagnera la campagne d'adhésion de l'IRMA, 2022, qui ne saurait tarder. Je compte sur vous pour adhérer. C'est de l'action du maintien de l'emploi. Hein, on n'est pas un cabinet privé. Je n'ai rien contre les cabinets privés, mais on compte sur votre soutien. On élargit le réseau et l'enjeu à terme, c'est de pouvoir proposer, pourquoi pas, des clubs. Hein. Ma collègue Evelyne, qui a suivi la session, me disait, mais là, il faut qu'on crée un club de partage d'informations sur les pommes. À l'évidence, c'est une bonne idée. Le tout, c'est d'y aller, sachant que le réseau, c'est le moyen, la finalité, c'est l'efficacité des choses qui sont mises en place. Enfin, je terminerai sur la prochaine journée technique nationale. Et là encore, la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes qui a poussé pour qu'on traite de la problématique du risque sismique en Auvergne-Rhône-Alpes. Et on ira, après deux ans, puisque le séisme du Teil s'est déroulé il y a déjà deux ans, sur a priori Montélimar qui nous mettra à disposition son palais des congrès. Alors, je ne sais pas combien de personnes on aura, hein, vu la culture qu'on a tous en visioconférence, mais vous y êtes conviés en présentiel et il y a du soleil encore au mois de décembre du côté de PACA. Donc retenez cette date, le 9 décembre, et on créera dans tous les cas les conditions pour que la session soit en mixte, présentiel et visioconférence. Je vous remercie pour votre niveau d'attention. Je remercie encore une fois les partenaires, les initiateurs Spiral SPI de l'opération, les intervenants qui ont été concrets, pratiques. Souvent, les retours qu'on a sur les fiches évaluation, c'était trop généraliste. Là, pour le coup, on ne pourra pas dire que ce n'était pas concret, technique et pragmatique. Merci à vous. Je demanderai aux conférenciers de rester là dans la salle quelques secondes pour qu'on voit la suite. Et je remercie tout particulièrement l'ensemble de l'équipe IRMA qui a été complètement opérationnelle. Guilhem à la manœuvre, merci à vous, merci à tous. C'est terminé.